Bonjour à tous. Salut les copains, c'est bon, on y est? On y est, oui! Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu, enfin que moi je ne vous avais pas vu. Si je vous vois à travers la caméra, je te vois. Tu crois que tu les vois ou pas? Je le vois lui. Tu le vois pas? Par contre, eux ne me voient pas. Je le vois. Ça, ça va être... Mais oui, voilà. Mon Bastien a disparu, je n'ai plus mon petit... Non, c'est ce côté-là, je n'ai... Là. Ouais, je j'étais plus de l'autre côté, ouais. C'est ça. Mon petit même, là, juste en bas. Du coup, je suis tout seul avec vous, mais une petite voix nous parle de temps en temps. Alors, salut tout le monde, salut Coloren, salut... Oula, il y a plein de monde. Il y a si un monsieur avec beaucoup trop de X dans son nom, salut Rome, salut Geoffrey, salut tout le monde. J'ai pas pris ma truelle aujourd'hui, j'ai pris des pinceaux, mais ça fait longtemps que je n'ai pas peint avec vous. Je suis pas encore sûr de savoir vraiment de quel côté faut mettre les poils pour peindre. Bref, ça fait plaisir de vous revoir après cette petite pause estivale et on va rattraquer un petit peu notre planning de tuto de manière plus régulière puisqu'on va se retrouver ensemble tous les lundis pour votre petite pause du repas de midi pour bien commencer la semaine. Salut Jean-Louis, salut Marcus et on va aborder ensemble différentes choses en peinture. Je vais essayer au fur et à mesure du mois de vous faire des tutos plus tabletop, plus débutant, plus expert, des projets de peinture qu'on avance un peu tous ensemble. Voilà, on va essayer de trouver un petit planning au fur et à mesure des semaines qui vont passer et avancer un petit peu là-dessus. On vous invite à nous rejoindre sur Twitch, qui est du coup exactement. Notre... Oui. Oui, c'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Sur Twitch, qui est notre nouvelle plateforme du coup de diffusion et qui va nous permettre un petit peu de faire avancer un petit peu cette chaîne et ces lives tous ensemble. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer tout ce qui va bien, les petites cloches, les petits abonnements, les petits tout ce qu'il faut. Je crois qu'on a tout dit. Hein? Ouais, on c'est est pas ça. Mal. Hein. Hop, je, ouais. je suis en train de vous mettre du coup le lien. Bastien, il met les liens, il va mettre les petits trucs qui clignotent et tout, voilà. C'est ça, Color Unreal, qui c'est fait ça. Yes, on pourra vous envoyer des raids dans la tronche. Oh, bah, ouais, on a prévu des trucs rigolos pour la peinture. C'est ça. Donc, il va y avoir du coup bah, la possibilité de mettre des petites choses, du bruit, des trucs qui apparaissent. Vous allez aussi, on est en train d'essayer de mettre en place. Il y a les abonnements, les subs qui sont disponibles pour l'instant. Voilà. Avec et puis un super émoticône Space Marine Ultra. Voilà, on a eu le droit à un et du coup il a fallu qu'on fasse un choix. Bon, c'était celui-là. Il faut qu'on ait plus de subs et tout pour pouvoir avoir plus d'émoticônes et compagnie. Et puis on va vous permettre de dépenser des petites choses pour pouvoir faire des choix sur éventuellement des couleurs, des projets, des figurines, donc que ça soit un petit peu plus participatif et actif. Donc ça c'était pour le retour parmi nous sur nos lives. Ouais, en plus ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de live du coup. Ça me manque. Parce qu'au final, on avait pas mal de changements. Il y a un côté j'étais en manque, il y a un côté comment on fait déjà, elle est où la caméra et comment on peint. Exactement. Donc je suis un peu tout perdu. Comme vous avez pu le voir lors du dernier live, du coup on a un nouveau studio. Ouais. Du coup on a aménagé voilà, avec un super mégaphon de la brique. Derrière. On a de la lumière, on s'installe. Vous devriez aussi moins entendre le son des joueurs qui jouent autour de nous. C'est ça. Puisque du coup, on a isolé phoniquement on un petit peu la pièce. Pas du tout. Et on a du coup un nouveau, on appelle ça un battle bunker. Exactement. Voilà. Qui va nous permettre du coup de faire des lives plus sereinement. Voilà, que ça soit pour le jeu, pour la peinture, pour la présentation de jeux de société, de cartes, de... Voilà, on devrait s'éclater un petit peu ensemble. Salut Martin. Il y a JC qui dit la battle avec Kevin. Exactement, c'est ça. C'était la double dose de jus. Si vous voulez la revoir, elle est dispo sur notre chaîne YouTube. Ouais, on s'était bien marré. On s'était il bien marré. Cassé tout le setup. C'est pour ça, du coup, j'ai dû refaire entièrement le studio. On a tout refait. On avait tout cassé. Du coup, on a dû tout refaire. Ouais, il vit pour un professionnel. Elle avait quand même cassé pas mal de trucs à la fin, je trouve. Hein. Je voudrais pas balancer, mais ça devait durer une heure. Bon. T'as les batteries des micros débordé. Étaient bonnes pour 2 heures, ça a duré 2h30, ouais. Bref, il n'y avait plus de micro, il n'y avait plus de caméra, il n'y avait plus rien. Bref. Bon, vous les connaissez nos tutos d'une heure en même temps. C'est pas la même, on n'est pas dans la même, dans le même fuseau horaire galactique. Ça. Mais je pense que du coup, on a fini à 1h du matin, du coup, ça a du coup un peu compensé, tu vois. Parce qu'on est tous d'accord que les fuseaux horaires impériales ne sont pas tous équivalents dans la galaxie, donc il je pense qu'on est juste pas dans le même que tout le monde. Salut Benoît. Alors, aujourd'hui, si on se relance un petit peu sur le,
si on se reconcentre un petit peu sur le tuto d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la peinture d'un luminette avec la superbe figurine d'Eltarion qu'on connaît depuis un petit moment. Hein. Elle était présente dans la boîte exclue luminette qui est très chouette avec des cartes, un super battle tome, illustration, full couverture et tout. Vraiment, vraiment chouette boîte. Et du coup, avec ce Eltarion qui est aussi sorti ce week-end en figurine individuelle. Donc, vous pouvez maintenant avoir à l'unité. C'est du coup l'occasion pour moi de mettre la main dessus. Parce que c'est quand même une figurine assez impressionnante techniquement. Là, je la tourne en même temps pour vous montrer un peu le côté aérien de la figurine et toutes ces petites découpes où on voit que l'armure est il n'y a personne dedans, quoi. C'est ça. L'armure est portée par un fantôme. Du coup, c'est assez aérien, assez aéré. C'est vrai qu'au niveau de la structure, du coup, ça a dû être quand même un sacré challenge au niveau de ouais. la... En termes d'assemblage, c'est sympa aussi. C'est plus simple que ce que j'envisageais, mais ça demande quand même de se concentrer 2 minutes. Mais ça fait quand même une vraiment belle figurine. Là, du coup, tu as déjà peint en blanc, on est d'accord. Alors, voilà, elle est finie. Donc, le tuto pour peindre en blanc, c'était une sous-couche que j'ai fait en dehors de la caméra. C'est fini. Merci. À bientôt. Tu coupes maintenant. Donc non, oui, bien sûr, ici elle est sous-couchée. Je l'ai déjà sous-couchée en Vresbone, qui est ma nouvelle sous-couche blanche de prédilection. J'aurais pu partir sur du grey cire aussi, mais comme je voulais retrouver un petit peu la teinte de l'armure un peu chaude des luminettes, je suis plutôt parti sur le Vresbone. Si vous cherchez un blanc plutôt froid, il faudra plutôt partir sur le grey cire. Donc voilà, une super figurine, et maintenant on va voir ensemble comment on peint ça en blanc, parce que j'ai cru comprendre que ça, le blanc avait tendance à traumatiser certains peintres. Effectivement, c'est une couleur qui a souvent été très compliquée à peindre par le passé, mais aujourd'hui on a quelques produits qui nous facilitent grandement la tâche. Donc, allez, un peu de théorie pour commencer. Pourquoi c'était compliqué à peindre le blanc avant ? Ben, tout simplement parce que le blanc, c'est une couleur qui est très peu couvrante. Or, du coup, on conseille aux débutants de commencer par une sous-couche noire. Or, une peinture peu couvrante sur une sous-couche noire, ça veut dire que vous allez tout le temps avoir le noir qui ressort par transparence. Et du coup, avoir des choses un peu grisâtres, un peu ternes. Pour compenser ça, du coup, on passait énormément de couches de blanc qui entraînaient du coup une surcharge du grain, des grumeaux dans la peinture et quelque chose de très épais et très crayeux. Oui, Colorim, c'est un petit peu ça, le blanc c'est chiant et c'est salissant, mais avec les nouvelles techniques, ça va bien. Sont arrivés ensuite certains produits comme les fondations ou les bases maintenant, avec des couleurs plus pigmentées. Et là, on s'est retrouvé du coup avec des blancs qui étaient très couvrants, mais très épais, dont il fallait du coup maîtriser la dilution pour réussir à avoir quelque chose de fin. On a ensuite commencé à discuter des techniques qui consistent à passer des couches de couleurs intermédiaires, par exemple sur son noir, commencer par passer un gris moyen, puis un gris clair avant d'arriver au blanc, qui permettait du coup, comme ces couleurs sont plus couvrantes que le blanc, de commencer à casser un petit peu le noir pour petit à petit remonter sur le blanc tranquillement. Là encore, la dilution et la finesse étaient un peu compliquées, puis surtout c'était très long. Donc ça, c'était pour les sous-couches noires. On a aussi le principe des sous-couches blanches, mais qui entraînent aussi du coup d'autres difficultés. Comment on ombre le blanc sans le salir ? Bien faire attention aux autres couleurs qu'on fait et à pas tacher les différentes surfaces et surtout à bien penser à faire des lavis dans les creux pour aller ombrer et assombrir chaque recoin de la figurine afin d'éviter d'avoir des ombres qui restent avec des petites taches blanches, des petits points blancs qui cassent un peu les volumes de la figurine. Donc ça, c'était tous les différents problèmes auxquels on se heurtait quand on peignait du blanc. Aujourd'hui, Games Workshop nous a sorti un petit produit magique. Salut World Duck. Bah écoute, je te souhaite une bonne rediff et bon courage au taf. Tu fais pas de pause repas pour rester avec nous ? Ouais, c'est encore dans une demi-heure la pause repas. Donc, ils nous ont sorti ce petit contraste Apothecary White qui marche plutôt pas mal. Et pour tous ceux qui cherchent un petit rendu rapide pour faire du blanc en format tabletop et qui voudraient faire une armée sans se prendre trop la tête, et bien vous allez voir que c'est plutôt très efficace et ça marche très bien.
Donc là, l'idée, c'est pas forcément d'aller faire du blanc pour aller poser votre figurine à un concours, même si la théorie fonctionne quand même. En pratique, on va essayer de rester sur un rendu un peu plus rapide. Pour les luminettes, notamment, pour cette armée qui fait peur aux peintres débutants, vous allez voir que ça vous permet de faire une armée de luminettes quand même assez rapidement. Tout le monde bosse aujourd'hui. Et alors, Colorim, tu regardes plus nos vidéos en même temps que tu bosses. C'est plus que c'était. Hein. Je vous quitte un mois et c'est ça là, ça part tout en cacahuète. Bravo, ouais, je suis déçu. Ils sont obligés de travailler et tout. Je vais aller pleurer. Ouais. En tout cas, bon après-midi à tous. Bon après-midi, bonne rediff à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous. De toute façon, on sait bien aussi que les tutos peinture sont énormément regardés en rediff, donc profitez-en. Si je regarde vos vidéos, je n'avance pas. Et sinon, tu nous envoies tes figues, comme ça tu peux avancer sur tes figues et en plus, tu peux regarder la vidéo. On peut essayer de faire un échange. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je commence avec une sous-couche de Vracebone pour avoir un côté chaud. Le blanc existe en différentes teintes. On va le catégoriser en trois types de blanc. Le blanc chaud, le blanc froid et le blanc neutre. Le blanc neutre n'existe pas réellement dans la nature, tout simplement parce que la couleur de l'environnement va forcément influencer le blanc neutre. Le blanc neutre, il existe en théorie, c'est le blanc pur à 100%. Le blanc chaud, c'est un blanc dans lequel on va avoir des couleurs un petit peu chaudes qui vont venir casser la teinte et tirer légèrement vers le beige. Et le blanc froid, lui, c'est l'inverse, c'est un blanc du coup dans lequel on va avoir un petit peu de bleu. Avec ces trois du coup, couleurs, ces trois blancs, vous allez pouvoir jongler dans vos schémas de couleurs et essayer d'arriver à vos fins. Le blanc neutre, je ne vais pas beaucoup l'aborder, c'est un blanc que chacun se représente assez facilement. Finalement, c'est le blanc dans lequel vous allez faire des ombrages avec du gris pur, donc c'est juste du mélange de noir et blanc. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser pour des rendus très particuliers, des rendus très cartoon, des rendus quand on veut peindre en full noir et blanc. Mais dès qu'on va peindre des couleurs autour, je trouve que c'est plus intéressant de colorer son blanc. Sur ce petit Altarion, du coup, je compte utiliser un petit peu les deux. Du coup, un blanc chaud sur certaines zones et un blanc froid dans d'autres, justement pour contraster, faire un contraste de température, de couleur entre les deux zones pour faire ressortir et voir un petit peu différentes variantes et nuances de blanc. Le portable planqué au boulot. Fais gaffe de ne pas te faire choper, ça serait dommage quand même. Alors, déjà, les pots de contraste, on les secoue bien pour bien mélanger le produit à l'intérieur. Comme je le répète à chaque fois, le contraste, il va falloir le mélanger. J'utilise très rarement le contraste pur, tout simplement parce que je préfère avoir un peu de contrôle dessus et passer deux couches de contraste plutôt qu'une qui serait trop épaisse. Donc je vais prendre un pinceau de la vie un peu gros, parce qu'il y a quand même pas mal de surface à faire. Je vais prendre un petit peu de contraste blanc qui en fait est légèrement grisâtre sur ma palette, hop, et je vais de ce pas le diluer en 50-50 avec un petit peu de contraste médium. Donc pour ceux qui suivent nos lives depuis un moment, vous connaissez cette recette, donc 50-50, contraste médium et votre contraste en couleur, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus fin et d'un peu plus transparent. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez même mettre un petit peu plus de contraste médium, ça vous permet d'avoir une couleur plus transparente et d'avoir du coup un peu plus de contrôle. On va mettre une petite goutte d'eau pour délier un petit peu le produit, histoire qu'il soit plus fin, qu'il coule mieux et qu'il laisse moins de traces et moins de taches sur la figurine. Donc ça, c'est le mélange que je vais utiliser pour grosso modo tous les contrastes que je vais faire. Hop. Une fois que le mélange est prêt, on va se caler et on va du coup peindre avec ce petit mélange toutes les zones qu'on veut traiter en blanc. On va faire une première couche. L'idée, c'est de faire en sorte d'oublier aucune zone. Hop. De ne pas laisser de trous à droite à gauche, de ne pas laisser de marques, de traces. Et de peindre du coup bien comme il faut toute la figurine. Ce qui est pratique, c'est que si on déborde sur les autres zones, étant donné qu'on est sur une couleur très claire et très transparente,
ne devrait pas laisser trop de traces et on pourra faire des reprises assez facilement. Alors, il y a Dominique sur Facebook qui nous demande « Hello, tu es parti sur une sous-couche Corax White ou Vresbone ?» Vresbone. Voilà. Vresbone. Exactement. J'avoue que depuis que j'ai mis... Même si la Corax White est très bien, surtout pour ceux qui ont connu feu la Skull White, qui était de la poudre en spray, la Corax White reste très chouette. Mais depuis que j'ai testé les sous-couches contraste Vresbone et Graysir, j'avoue que j'ai pas retouché une bombe de Corax White depuis. Je préfère tout simplement la texture plus lisse, qui va vraiment ressembler à la texture de la Chaos Black qu'on va retrouver sur ces deux sous-couches. Là où la Corax White reste un petit peu trop poudreuse à mon goût. Alors, salut Damien et Dimitri, c'est moi où le micro n'est pas branché. Le mien ? Alors, ben non, non. Alors, je vais faire un test son, mais non. Allô, allô ? Je m'entends bien. Hop. Vous m'entendez ? Et Top Zap aussi, salut à toi. Et on est actuellement du coup 70 au total du coup sur toutes les plateformes, donc sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Et je vous invite grandement parce que du coup ça sera les derniers lives qu'on va faire sur Facebook. Donc du coup les prochains sont uniquement sur... Ouais, n'hésitez pas à switcher de plateforme parce que Facebook c'est pas foufou. Du coup c'est pratique pour faire de la communication, donc je pense qu'on continuera à annoncer nos lives sur Facebook. Par contre pour les suivre, ça sera plutôt sur Twitch. C'est ça, en plus du coup vous avez une bien meilleure définition sur Twitch et vous avez surtout un délai de latence qui est quasiment de un peu moins d'une dizaine de secondes, contrairement à 30 à 1 minute sur Facebook, suivant les connexions. Donc du coup ça permet aussi de répondre à vos questions quasiment directement au lieu rapidement. De... Voilà. Jimmy qui fait plop l'équipe, salut à toi, le son est bon sur Facebook. Bon, c'est déjà ça. Hop, et Adrianis qui nous fait oui, j'ai eu des soucis avec la Corax White, du coup. Ouais, ça arrive. Ouais, il suffit de pas bien la secouer ce jour-là ou de se retrouver avec un coup de vent un petit peu plus chaud ou autre pour qu'elle ait tendance aussi, à tout de suite faire un peu des... Il faut juste que tu recentres un tout petit peu ta figue. Hop là, je m'en vais, je m'enfuis. J'ai pas changé, ça j'ai toujours pas l'habitude. On va lui mettre une petite croix. Il y a Gautrey qui fait... Ouh, joli surnom en plus. Merci Julien pour tes conseils soclage et peinture Necron, ça marche super bien. Content de m'en rendu. N'hésite pas à nous envoyer la photo. Je suis très content, qu'il déjà ça me fait envoyé. Plaisir. Il est bon aussi le son sur YouTube. Ben nickel. Après c'est peut-être aussi mon micro parce que du coup je le mute pour vous épargner toutes les frappes de clavier de souris. Peut-être qu'ils aiment souffrir et qu'ils ne veulent pas être épargnés. Exactement. Je bascule YouTube, moi aussi je suis sur du blanc en ce moment. Tout le monde est sur du blanc. Ben, entre les White Scar, les Luminettes, les Sœurs de Bataille, il y a quand même de plus en plus de figurines qui appellent le blanc. Hein. Exactement. Puis donc là, bientôt, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup t'es parti du coup sur une base. Je vais y arriver. Sur une base du coup de Vresbone. Ouais. En sous-couche. Et ensuite, du coup, t'as appliqué le. Alors, l'apothicary white, ouais, nickel, parce en que contraste, pas le dire. Impossible à dire. Mélangé avec du contraste médium pour avoir quelque chose d'assez fin. Et je fais une fine couche, un peu maîtrisée. J'essaye d'éviter un peu les piscines à droite à gauche. J'essaye d'en glisser un peu plus dans certains recoins. Et de faire une couche homogène que je reprendrai petit à petit avec d'autres étapes. Je vais reprendre tout de suite un petit peu d'Apothicary White, ouais. Pur ce coup-ci, et que je vais aller glisser dans certains recoins directement, un petit peu dans le frais là, pour augmenter un petit peu le contraste, le contraste, ouais. Et l'ombrage. Le fait que tout soit frais et que la première couche n'est pas encore séchée permet du coup de faire des transitions douces entre les différentes... Le dégradé va se faire un peu naturellement. C'est ça. Donc notamment tout ce qui est sous la cape, le bas de la figurine, des endroits où l'ombre marquerait un peu plus. C'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un dégradé dans le frais en peinture classique. La différence, c'est que comme le contraste met un petit peu de temps à sécher,
on a largement le temps d'aller jouer avec ça. Donc là, il suffit d'aller chercher un petit peu les ombres, les recoins naturels de la figurine et d'aller pousser un petit peu plus de contraste à cet endroit-là. Le contraste va se répartir tout seul parce que tout est encore liquide et c'est une peinture qui a énormément de capillarité. Du coup, il a tendance à s'aspirer tout seul dès qu'il est en contact avec quelque chose de liquide. Il va se répartir tout seul à droite à gauche. Du coup, c'est assez facile à gérer. Pas trop prise de tête. Hop. Alors, entre-temps, on a eu pas mal de petites questions. Alors, tac, 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 juste que je retrouve. Alors. Il y a une fille qui fait, moi je suis sur du Imperial Fish, j'en peux plus du jaune. le jaune est un peu... C'est une couleur qui nécessite quelques tutos aussi. Ensuite, une question de Marcus Coyote qui fait question, qu'est-ce qu'il y a de prévu à côté du blanc? Donc du coup, en couleur secondaire, j'imagine. Alors, je vais tout simplement suivre le schéma de Games Workshop. Hein. Donc, je vais utiliser des tons métalliques très très clairs et la cape noire. Voilà, ça, je vais rester sur du très 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 classique. La cape noire permettant du coup un contraste très important entre l'armure blanche et le reste de la figurine. Et je pense que ça va tout faire ressortir. Et je vais simplement jouer sur les autres couleurs qui resteront très claires entre le chaud et le froid. Alors, normalement, vous allez pouvoir commencer à voir se dessiner quelques dégradés, notamment ici, là, sur la jambe. Ouais. On voit qu'entre les arabesques, on a quelques zones qui commencent à se teinter en gris légèrement plus foncé. Le contraste, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est un gris légèrement bleuté, donc il est légèrement froid. Et il faudra du coup que je jongle avec d'autres contrastes pour réchauffer ou refroidir certaines zones. Mais là déjà, vous voyez que vous arrivez à un rendu qui est déjà pas inintéressant. Et une fois posé sur la table, ça commence déjà à faire un peu le job. Et c'est sur les autres couleurs du coup que le contraste global de la figurine se jouera. Pendant que ça sèche, je vais attaquer à peindre quelques autres zones, histoire que ça avance un petit peu. Je vais notamment utiliser ma recette classique du noir. Donc je vais partir avec un Stegadron Green Scale sur toute la cape, que je vais éclaircir légèrement avec du Fenrisian Grey. Et je passerai ensuite un contraste noir par-dessus pour... On a le hashtag JuTouNu qui arrive. Je me demande bien qui c'est qui peut se cacher derrière ce pseudo. Hop. Salut hashtag, déjà il dit pas bonjour. Ça. C'est ça. C'est pas bien. Alors du coup, ensuite on a une petite question de Marcus Coyote. Toujours, faut-il peindre avant la couleur que l'on veut à côté du blanc pour éviter les bavures, ou est-ce que ça dépend de la couleur? Ça dépend pas de la couleur, ça dépend de la technique que tu utilises. Les contrastes étant une peinture j'arrive plus à parler. Les contrastes sont des peintures qui sont assez liquides, qui ont tendance à baver et à couler. Donc perso, j'ai tendance à les faire en premier parce que ça sera toujours plus facile de reprendre après les zones sur lesquelles le contraste a pu déborder que de passer un contraste sans déborder à côté. Maintenant, il n'y a pas de règle vis-à-vis de la couleur. Il faut que tu prennes en compte deux paramètres, c'est comment tu appliques ta couleur, est-ce que ça va être liquide, est-ce que ça va déborder, est-ce que tu la passes avec un gros pinceau, un petit pinceau, et l'autre chose c'est la couvrance de tes couleurs. Si tu peins du blanc et du noir, et qu'il faut peut-être mieux faire attention au noir quand tu vas le passer à côté, et donc en fonction de tes goûts et de tes facilités, savoir lequel des deux tu passes côte à côte. Alors là, je galère avec la caméra qui est pile dans mon mouvement. Alors, on a Ashtrav en plus qui vient de s'abonner avec Prime. Un grand, grand merci à toi. Et du coup, tu as dû avoir le nouveau émoticône. Alors, il paraît qu'on peut s'abonner avec Prime à la chaîne et j'ai absolument pas réussi. Je sais pas où on trouve l'option. Alors du coup, il faut aller dans Amazon et créer ton compte. Non, normalement, ton compte Amazon et ton compte Prime. À vérifier, pour ceux qui ont un compte Prime, du coup, Amazon.
vous pouvez nous soutenir en vous abonnant. Puisqu'avec Amazon Prime, vous avez du coup un abonnement gratuit par mois. Donc vous pouvez nous soutenir avec votre abonnement Prime. En plus de regarder The Boys, vous pouvez aussi soutenir la chaîne. Il y a Shrap qui fait « Je t'apprendrai, pauvre nain. » Coup de pied. Déjà, il faudrait que tu arrives à l'atteindre. C'est ça. Parce que si moi, je suis un nain, ça te classe du coup dans la catégorie des snotlings. Hop. Vous voyez la précision avec laquelle je peins. Hein, donc avec un gros pinceau et on barbouille. Soit la technique dite de à la truelle. Je fais juste attention quand j'arrive à proximité de mon armure. De toute façon, c'est une partie qu'il faudra que je reprenne petit à petit. Puisque là, on le voit bien avec la capillarité du contraste. On voit que le l'Incubi a énormément de mal à marquer là où le contraste a débordé. Que ça a tendance à diluer l'Incubi du coup tout de suite. Mais bon, après une ou deux couches, on n'y verra plus rien. Hop. Donc c'est une méthode qui est très facile à mettre en place, mais le temps de séchage du coup des contrastes étant un peu long, c'est le petit truc qu'il faut réussir à maîtriser en même temps. Ça y est, ça se lâche sur les coupes de cheveux. Bravo les mecs. C'est pas comme si c'était deux chauves en plus qui se lançaient dans ce genre de remarques. C'est pas parce que vous assumez pas qu'il faut penser que moi je ne l'assume pas. Hein. Je vis très bien mon manque de cheveux. C'est vachement chouette, j'ai plus besoin de me peigner le matin. Il reste la barbe, ouais. Ouais, mais c'est parce que ça pousse pas, c'est pour ça qu'ils ont ils doivent être jaloux du coup. C'est pour ça, ouais. Alors Rodolphe qui nous fait « J'ai raté le début, il y a un replay ». Oui, carrément, il va être disponible du coup sur Twitch et sur YouTube. Oui, tu vas pouvoir le revoir en replay. Et du coup, je t'invite aussi à passer du coup sur Twitch, si jamais du coup tu veux interagir avec nous, ça sera bien mieux que sur Facebook. Hop là. Alors j'ai changé de pinceau pour un pinceau un peu plus précis. Un bon vieux Raphaël. Alors on a aussi Bakinata, entre-temps, qui nous avait dit « Parfait, suite aux petites questions, penses-tu qu'une secouche graissière, puis un pré-embarrage avec une Corax White ?» j'ai pas la suite, mais en gros, est-ce que ça marche? Ça rajouterait pas grand chose. Ça changerait pas grand chose. La différence de ton entre les deux est pas super importante. Ce qui fait que je pense que. À plus, ça stribe. Ça se verrait pas suffisamment pour être vraiment intéressant. Est-ce que tu perdrais avec le grain de la sous-couche Corax White? Pas sûr que le bilan entre avantages et inconvénients soit vraiment positif. Salut à toi Alex aussi qui nous fait hello à tous, sympa le format petit déjeuner, on n'a pas encore fait, on devrait faire un live à 9h du matin. C'est pour la pause repas. Avec le café, je vais vous faire un tuto barista si vous voulez. On a pensé à égayer votre pause repas du lundi, ce terrible jour où on reprend après un chouette week-end. Plus ce jour où on travaille pas, du coup on s'est dit allez. Jean-Louis qui fait, ils sont jaloux de ton look, Sean Connery. Exactement. De toute façon, dès qu'on dépasse le prochain niveau de sub, de toute façon le prochain émoticône, ça va être quelque chose en rapport avec c'est ça. L'émoticône chauve. Ah oui, mais personnalisé du coup, ça sera toi. Imagine, tu auras ton émoticône sur Twitch. Le début de la célébrité. Allez, je retourne bosser. Allez, ouais, c'est ce que je t'avais dit à Shrav. Il retourne sauver le monde. Ne pas les tuer, c'est différent. Ouais. Parce que pareil. Parce que bon.
Ah, c'est un joueur Necron. On est toujours une soixantaine, ça fait plaisir de tous vous avoir là. Par contre, on est que sur Twitch. Je vais regarder. On est que 20. Rejoignez-nous sur Twitch, voilà. Bon sang. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitch ou sur YouTube. On est plus beau sur Twitch. Alors je galère ma race à les peindre dans tous les recoins de cette figurine. Parce que là en plus je leur fais un tuto blanc mais le gars il est peint du bleu quoi. C'est ça. En bah plus, oui, parce c'est leur cadre. C'est pour montrer que le blanc, finalement, c'est aussi ce que vous peignez autour qui est important. N'hésite pas à te recadrer un peu. Pour faire un peu. Pour contraster et faire ressortir le blanc, il va falloir jouer aussi sur les teintes que vous allez peindre autour du blanc. D'où ici une couleur sombre qui va permettre de créer un contraste de luminosité et de faire ressortir chaque plaque d'armure et chaque détail blanc de la figurine. Par contre, alors honnêtement, je suis pas sûr que cette figurine soit montable, soit peignable en pièces détachées. C'est quand même une dentelle à monter. Et j'aurais bien été embêté pour faire des sous-ensembles. Mais alors, aller peindre les recoins de la cape, bon, une fois que c'est fait, hein, parce qu'il y a besoin de les peindre qu'une fois. Mais faut s'accrocher 2 minutes pour aller peindre les détails. C'est important parce que c'est ce qui fera toute la différence à la fin. Donc prenez le temps, avec la pointe de votre pinceau, diluez un petit peu votre... Après, comme vous êtes au tout début, si vous débordez, c'est aussi le moment où c'est pas trop compliqué de rattraper la galère. Et pourquoi aussi j'ai tendance à partir sur du Vresbone ou du Grécir, c'est parce que les équivalents du coup en pot de peinture de ces deux couleurs sont particulièrement couvrantes et quand vous avez un petit souci de débord, ça vous permet vraiment de reprendre facilement vos tâches sans trop perdre en épaisseur et en détail sur votre figurine. C'est plutôt agréable. Alors, en même temps, quand vous avez fini de peindre la cape et l'armure, vous avez fini la figurine, hein, parce que c'est pas comme s'il y avait grand chose d'autre dessus. Mais, faut quand même faire le tour 2-3 fois pour finir de peindre cette cape. Alors, s'il y en a qui ont commencé à le peindre et qui ont une astuce pour le peindre en pièces détachées, n'hésitez pas à la partager avec nous, parce que je pense que ça aidera pas mal de monde. Je pense que la principale difficulté de cette figurine, une fois qu'on maîtrise le tuto blanc, c'est d'aller peindre les recoins sans trop déborder. Alors on a Rob Fig et Jimmy qui nous ont envoyé 2 petites photos, donc déjà celle de Jimmy, hop, avec du blanc. Vous regardez, des toutes petites pièces. Des tout petits taux. Et quelle couleur du coup tu vas mettre en secondaire? Parce que du coup j'imagine que la sous-couche, la couche de base va être blanc. C'est là que la question est importante, parce que du coup tu vas voir que la couleur secondaire que tu vas choisir, c'est elle qui va faire ressortir ton blanc. Donc en fonction de si tu pars sur un blanc chaud ou un blanc froid, il va bien falloir choisir la couleur secondaire pour avoir un contraste intéressant et faire ressortir tout ça. Alors ensuite on avait hop Rumfig. Oh, il classe. Je vais essayer de mettre ça. Tac. Alors hop. J'ai une question de JC qui me dit. Alors attends, hop, juste. Parce que j'ai préparé la photo. Ah ouais, mais toi tu l'as pas en noir. Voilà. Bravo. Bel esprit. Mais en tout cas, vraiment, vraiment classe. J'aime beaucoup les dégradés sur le bleu aussi. Il est très chouette, mais en termes d'esprit de contradiction là. Il est sacrément, sacrément frais. Alors, hop, tu me disais, on avait une question de JC Thirion. Choisir une sous-couche noire, tu prendrais un blanc jaoué plus liquide, genre green stuff.
En fait, si tu pars d'une sous-couche noire, il ne faut pas que tu partes d'un blanc pour remonter au blanc. Il faut que tu passes par des intermédiaires. Du coup, tu vas prendre des tons de gris. D'abord un gris moyen, puis un gris clair, etc., jusqu'à ce que tu arrives au blanc pour casser le noir et que la couvrance du blanc, du coup, puisse suffire à couvrir le gris clair sur lequel tu vas terminer. C'est très important du coup de passer par ces intermédiaires. Et si tu essayes tout de suite le blanc, quelle que soit la marque que tu passes, tu n'auras pas forcément des rendus très harmonieux. La marque et la fluidité du blanc, c'est plus une question d'habitude personnelle et de choix et de goût que réellement quelque chose qui va changer l'efficacité de ton rendu à la fin. Si tu préfères peindre avec des peintures plus liquides, eh ben, va sur une peinture qui te convient. Si tu préfères peindre avec quelque chose de plus épais, la Games Workshop est généralement un peu plus épais sur ce point-là. Mais ça ne changera pas ta capacité à finir sur un rendu blanc. On a Noja aussi qui vient de nous rejoindre. Un grand merci à toi. Et du coup, on a Gotrek, donc Mathieu, qui vient de nous envoyer aussi les photos de ses nécrons. Tac, je vous les partage. Des nécrons blancs. Eh ben écoute, c'est plutôt cool. Apparemment, c'est toi qui lui as conseillé les socles. Hier. Et franchement, ça donne sacrément du Ça volume. marche nickel. Ouais. Même les lames énergétiques et autres, c'est. Est-ce que tu as suivi d'ailleurs le tuto de jus. Il me semble. Il me semble, parce qu'il y Il a des me petits semble traits qu'on en comme tu avait avais fait. discuté. Ouais. En tout cas, jolie, jolie réalisation. Il me semble qu'on avait parlé de ce tuto Alors, tu t'es un ensemble. petit peu décalé. Tac. Nickel. Ouais, non, vers le bas maintenant. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je lui ai rajouté un petit écran juste en dessous de la figurine. C'est vrai que c'est pas forcément simple une fois que tu es dans la peinture. Ouais, mais c'est surtout que la caméra qui filme ce que je fais, en fait, est entre moi et la figurine. Donc, instinctivement, on a tendance Ah voilà, il commence déjà à à la râler. décaler. Hop, je Ouais, peux je vous râle. couper le son si vous voulez, on va parler. Hop, n'hésitez pas si jamais vous avez des photos de ce que vous êtes en train de peindre, même si c'est pas forcément du blanc, qu'on puisse les partager et qu'on puisse regarder tout ça. Donc là, on voit déjà que le blanc commence à ressortir aussi, et rien que du fait d'avoir peint les autres couleurs, d'avoir peint la cape en noir, toutes les zones blanches commencent d'elles-mêmes à ressortir. Alors les photos, tu peux nous les envoyer directement sur le Facebook. Alors, ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre de vous demander d'aller sur Twitch et ensuite. Mais ouais, n'hésitez pas à nous les envoyer directement, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Pour ceux qui peignent avec acharnement avec nous, on vous rappelle aussi qu'on a notre petit concours de peinture qui est en cours, qu'on a relancé un petit peu là. Donc on fait un concours par mois. Ce mois-ci, du coup, on a le thème projet d'été, donc votre plus belle pièce de cet été. En plus, avec le confinement, on s'est tous lancés dans des projets de fou. Donc n'hésitez pas à nous montrer un petit peu ce dont vous êtes fier, que vous avez pu finir pendant la belle saison. Et on enchaîne avec pour le mois d'octobre avec le thème Orktober. Donc faites nous voir vos plus beaux orques. Vous pouvez participer même en étant à distance, puisqu'il suffit de nous envoyer une petite photo à l'adresse mail concours avec un S @wargamespirit.com. Non, .fr. .fr. Vous nous envoyez une jolie photo et du coup on la publiera sur Facebook. Alors c'est un petit concours entre potes, juste histoire de papoter et de partager, puisqu'à part la gloire éternelle, il n'y a pas grand-chose d'autre à gagner. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal, la gloire éternelle, c'est plutôt cool. Alors il y a un repli de la cape. J'ai énormément de mal à atteindre là-bas, mais on va finir par la voir. Voilà. Je vais reprendre maintenant.
tous les plis de ma cape en plus foncé. Hop. Donc je reprends simplement l'Incubi Darkness que je dilue moins. Et je viens le pousser dans tous les plis pour avoir un ombrage qui commence à se créer. Alors on a Romfig aussi qui nous a partagé deux autres photos. Hop, je vous les mets là. Space Wolf et un Imperial Fist. Eh bien j'avoue, franchement, le Space Wolf dans la nouvelle, sur la nouvelle figurine Indomitus est pas mal du tout. Oui, il est cool. Ouais, en plus, t'as enlevé l'écran sur le Space Wolf. Ça rend vraiment bien. Tout ça parce que t'aimes pas les voir des nécrons morts. Et je crois que Jean-Louis Payan nous a envoyé aussi une photo. Hop. Oula, non, il y en a plein. Plein d'autres photos à vous montrer. Jean-Louis, on voit pas les mauvaises photos, hein, te trompe pas. Alors, hop. Jean-Louis qui nous a envoyé un tout petit truc tout vert, tout mignon. Hein, t'as envie de l'adopter? C'est ça. J'en ai déjà un. Hein. Hop. Hop. Et ensuite, on a reçu deux autres photos. Alors, on a JC Tyrion qui nous les a envoyées. Ah oui, avec deux, trois figurines. Quoi. Je vais essayer de vous montrer ça et je vais essayer de le faire rentrer dans l'écran surtout. Ça va être un peu compliqué. Hop. Allez, on va rapidement finir cette cape avec un petit éclairci en Fenrisian Grey. Ce coup-ci, alors pour ceux qui ont suivi nos tutos, vous allez reconnaître un petit peu le tuto qu'on avait fait sur la cape rouge. Donc l'idée, c'est de commencer par faire un dégradé assez sommaire et rapide avec vos couleurs et ensuite passer un contraste dessus pour tout lier. Donc là, c'est ni plus ni moins que cette technique-là, hop, mais avec d'autres couleurs. Et bah, de quelle couleur déjà la cape à la fin? Noir, tu mets le... Noir. Ouais. Donc Fenrisian Grey. Et Stégadon pour faire les dégradés. Alors du coup, la photo de JC. Voyons. Bah écoute. Chouli. Ouais, ça a l'air sympa comme... Ça ressemble un peu à ma force que je suis en train de faire pour la croisade. Mais en moins vert. Hein? En moins vert. Ah, j'ai compris, en mauvais. Non, ouais, en moins vert, c'est sûr. Je sais pas si vous avez vu un peu, du coup, le projet que je me suis lancé un peu, mais du coup, à Dim et à moi, au final. Parce que Dim aura peint, je pense, 99% de l'armée. Je vais prendre un coup de pinceau et je vais mettre un truc sur un socle pour dire que j'ai fait quelque chose. On avait partagé sur l'Instagram un schéma de peinture, du coup, avec le Tesseract Glow. Avec du coup juste une seule couche, donc pour les fainéants un peu comme moi. Je vous invite à aller voir ça. Et je pense ce soir ou demain, on vous partagera d'autres photos parce que du coup, on a fait 2-3 autres figurines. Un grand merci à toi du coup, Talum47, qui vient de nous suivre sur Twitch. Hop là. Donc. Petit à petit, cette cape commence à ressortir et vous allez voir que c'est ça qui va faire aussi ressortir le blanc en le faisant contraster sur un fond plus sombre. Donc ça fait partie des astuces pour peindre du blanc aussi. Pensez aussi à gérer vos couleurs autour pour que votre blanc ressorte. Blanc sur fond blanc, c'est encore plus compliqué. Mais du blanc sur un fond noir, bah forcément, ça crée déjà un contraste. Alors, on a Alexandre aussi qui nous a envoyé une photo avec un petit message. Merci d'avoir inculqué le virus depuis 4 mois. Mes premiers SN, soyez indulgents.
Hop, et j'ai oublié forcément bon, de vous montrer la photo. Pour un premier Space Marine, il est franchement pas mal du tout. Ouais, donc t'as bah pas là, à rougir. Parce que la photo du coup sur Messenger a totalement détruit la qualité. Mais franchement, les linings, le vert, tout est propre. Même le... On a des ombres, des lumières, des couleurs qui contrastent avec le rouge, qui contrastent avec le vert, un soc sympa qui met dans l'ambiance. Les couleurs sont propres, ça bave pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il a remonté un peu aussi du coup sur les bottes avec la texture. Franchement, pour des premières figurines, c'est très honorable, il n'y a pas à rougir. Alors il nous a envoyé aussi une autre photo avec plus de Space Marine, mais du coup on verra quasiment rien. Donc hop, je vous partage que celle-ci. En tout cas, merci de nous avoir envoyé un petit message. Hop, on a aussi deux autres photos. Alors Jean-Louis qui nous a renvoyé une autre photo de son projet en cours. Avec des petits dragons au gore, si je ne me trompe pas. Peut-être me confirmer. C'est ça, des petits dragons au gore. Alors si dans les photos que vous nous envoyez, il y en a certaines pour le concours de peinture, je vous rappelle, envoyez-les plutôt à l'adresse mail concours avec un S. @wargamespirit.fr afin qu'on puisse les gérer et surtout que on puisse faire un choix parce qu'on va pas mettre dans le concours tout ce que vous avez peint cet été, hein. Choisissez une pièce, celle qui va mettre vraiment en avant le travail que vous avez pu faire pendant l'été et pas toute votre collection, hein, Jean-Louis. Ah, c'était leur projet d'été en même temps, donc du coup... Oui, mais on a dit leur plus beau projet d'été, pas tous les projets qu'ils ont fait cet été. Vous n'êtes pas obligé de nous envoyer des photos de l'évolution de votre bronzage. Hop, 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 hop. Allez, on y est presque. Petite cape bientôt finie de nous embêter et pendant que on travaillait la cape, la bonne nouvelle c'est que... Oui, on a Geoffrey qui vient de lâcher un sub aussi. Désolé, j'ai pas vu ton message passer. Un grand grand merci à toi. Tu commences à faire un paquet de subs. Ce qui est... On vous remercie mille fois. Alors pour l'instant, ça s'affiche pas, on vous a pas encore foutu la... La ronde de haute vie sur le Twitch, mais vous inquiétez pas, ça va être affiché en gros et en grand de partout. Je pensais faire un petit tableau dans le magasin aussi sur les télés qui passent pour les remercier. C'est une très bonne idée. Et on a aussi MacDroopy qui vient de follower, un grand merci à toi. Tac. Pendant qu'on s'amuse avec ça, et ben du coup le reste de l'armure a eu le temps de sécher. Je vérifie juste que ça soit sec de partout. Ça l'est. Alors regardez, du coup, hop, le rendu sur l'armure blanche. Ça reste assez discret à la caméra. On le voit bien, ouais, sur la jambe ici, là. Ouais, on le voit bien, ouais. On le voit quand même pas mal sur la jambe et on voit que du coup le blanc commence à sombrer. Même déjà dans tous les creux, on voit l'ombrage du coup du contraste qui... Voilà. Par rapport au socle, du coup, on voit que dalle, hein. Tout est écrasé par la lumière. On commence à voir sur la figurine que tous les détails ressortent. Voilà. Alors forcément, le travail du blanc, c'est quelque chose d'assez discret. Et on va rarement aller jusqu'au noir sur le blanc lui-même. Mais c'est plutôt sur les autres zones autour et sur les interstices entre les différents objets qu'il va falloir travailler du coup cette intensité pour faire ressortir chaque plaque. Donc là, on a fait notre première couche et maintenant, on va commencer à accentuer un petit peu ça. Je vais accentuer du coup les plaques d'armure avec un petit peu une teinte un peu plus chaude pour avoir ce rendu un peu d'armure, pas dorée, mais cette espèce de beige crème un peu chaud qu'ils ont fait. Et je vais accentuer les plumes sur le casque avec du coup et les petites écailles du coup de sa cotte de maille avec un blanc plus froid. Justement du coup pour faire ressortir encore plus l'armure.
Donc pour jaunir un petit peu l'armure, je vais partir sur du Skeleton Horde, que je vais du coup énormément diluer afin de le travailler comme une sorte de filtre qui va juste teinter la zone comme un glacis et pas le marquer en couleur comme un contraste classique. Donc pour ça, je vais tout simplement encore plus diluer mon contraste que d'habitude, donc à l'aide du médium contraste et de l'eau. Donc là, on est sur du 1/3/2 en contraste et en médium, et on rajoute toujours un petit peu d'eau pour délier tout ça et le rendre plus fin. Une fois que c'est prêt, on va aussi un peu sur son chiffon dégorger un petit peu son pinceau sur le chiffon, histoire qu'on n'ait pas des grosses accumulations de peinture qui se créent, mais juste vraiment pouvoir poser un glacis, un filtre sur la zone qu'on veut traiter. On peut insister un peu plus dans les ombres pour les marquer légèrement plus et les faire ressortir. Oui, c'est chouette. Alors vous avez dû m'entendre de loin, mais vous inquiétez pas, hop, je vais vous préparer du coup l'adresse mail pour le concours. Hop, on essaye d'oublier aucun recoin. Alors là encore, si vous dépassez sur le bleu, c'est pas très grave puisque le contraste noir viendra vraiment effacer tout ça. Donc ça ne se verra pas au final. Voilà, donc du coup, notre Skeleton Horde commence du coup à teinter toutes ces parties blanches et à amener un peu une autre couleur, une autre teinte à notre figurine. On n'hésite pas à insister un peu sur le bas de la figurine, notamment tout ce qui est jambes, pieds, et on essaye d'être un peu plus léger sur le haut de la figurine, le torse, les épaules et le casque, afin du coup de créer un dégradé, que la figurine soit un peu plus sombre vers le bas et un peu plus claire vers le haut, pour guider un peu le regard du spectateur vers la tête et le casque. Alors du coup, je viens de vous remettre, hop, juste en lien du coup l'adresse mail du coup pour le concours. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Et Talum47 qui nous disait, je trouve le contraste trop bleu pour les casques de mes ultras, vu que j'aimerais plus Grimdark que Playmobil. Le casque trop bleu de tes ultras avec le contraste white? Je pense, ouais. Alors je pense c'est que tu ne le dilues pas. Ça, après on lui a conseillé du coup un mix null oil plus medium, mais j'ai un doute sur les proportions. Alors ça peut marcher aussi. Si tu le, ce qu'il faut faire attention avec le null, c'est que du coup tu as un contraste entre ton blanc et ton noir qui va être énorme, donc ça risque de créer des taches, ça risque de créer des contrastes qui risquent d'être trop forts et du coup de jurer un petit peu. Ce que je trouve intéressant avec le contraste médium, c'est avec l'apothecary white, c'est que c'est un gris, donc il est légèrement bleuté, mais très très légèrement.
Il faut par contre le diluer. Je pense que ton souci, il est là. Si tu le passes tel quel, effectivement, il va griser tout ça. Si tu le passes par contre en fine couche et que tu l'accentues au fur et à mesure, tu vas pouvoir plus gérer. N'hésite pas sur tes dernières couches à accentuer uniquement les creux. Pour le mélange noil-noil médium, il faut mettre beaucoup de médium, sinon tu risques d'avoir quelque chose de trop marqué. N'hésite pas après à faire des battle damage, des petites écailles de peinture, des petites taches pour accentuer le côté grimdark. Salut Alexandre. Je vais profiter de ce moment pour faire quelques reprises sur certaines parties de l'armure où j'ai pu dépasser. Donc je vais reprendre tout simplement mon Skeleton Horde, mon Wraithbone, pardon. Hop. Un petit peu d'eau pour le délier, mais pas trop. Et ici, par exemple, sur le bout du bras, j'ai débordé un petit peu, donc je vais revenir. Donc tu viens reprendre là, en fait, où tu as... Ouais, là où j'ai... Contraste un peu... Là où j'ai du bleu de la cape qui est passée sur l'armure, je viens juste reprendre un peu. Alors, je vais enchaîner. Donc, est-ce que vous voyez la différence de couleur avec le beige? Ouais, ça commence à bien se voir là. Clairement, ouais. Et on voit que tout ressort, tous les détails. Et vous voyez qu'en termes de technicité, c'est ni plus ni moins que des lavis, donc c'est vraiment très, pas très compliqué. Et on arrive à avoir une armure blanche qui est franchement convaincante. Je vais continuer du coup, parce que finalement, le secret de ce tuto, c'est moins la technicité, vous l'aurez compris, puisque juste diluer de contraste et l'appliquer sur les zones, vous devriez vous en sortir, mais c'est plutôt sur l'environnement de la figurine qui va permettre de faire ressortir tout ça. Donc là, déjà, on voit juste que le fait d'avoir peint la cape en noir, tout le blanc ressort. Mais on voit que c'est encore un petit peu brouillon entre les différentes plaques d'armure. Du coup, je vais traiter les petites écailles de sa cotte de maille et les plumes de son casque dans une autre teinte de blanc. Je vais utiliser ce coup-ci un blanc froid pour le faire ressortir par rapport à l'armure qui, elle, a un blanc chaud. Donc pour faire un blanc froid, je vais aller vers du coup une teinte légèrement bleutée que je vais énormément diluer. Je vais partir sur du terradon turquoise, hop, avec lequel il faut faire très attention parce que du coup, pour le coup, il est très saturé, j'irais même dire. Oui, il est ultra saturé. Il est ultra saturé, donc je ne vais pas partir du tout sur du terradon turquoise. C'est ce que j'avais utilisé pour mes trolls, c'est ça, de mémoire ? Ouais. Ouais. Donc oui, c'est de l'encre de chine. Ouais, il est trop saturé et du coup, même en le diluant, la saturation sera trop franche. Faut qu'on reste sur quelque chose d'assez terne. Et si tu veux du blanc de mémoire, je crois que j'ai mis une mini goutte dans une piscine de contraste médium. Mais vraiment une toute petite pointe. Hein. Le problème des bleus en contraste, c'est qu'ils sont tous très saturés. Et ce qui permet aussi d'avoir des couleurs. Vraiment, ce qui permet d'avoir des couleurs super chouettes, mais du coup, pour ce travail-là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je vais plutôt rester sur mon Apothecary White, mais que je vais moins diluer et que je vais utiliser juste sur ces parties-là. Alors, il y a toujours une soixantaine, ça fait vraiment plaisir de vous avoir, surtout à cette heure-là. On pensait que le créneau allait plaire forcément à une certaine tranche. C'est la pause repas en mangeant votre sandwich. Exactement. Alors n'hésitez pas, pour nous donner faim, parce que la faim commence à se faire sentir de ce côté-là, à nous dire ce que vous êtes en train de manger aussi, pendant que vous nous regardez. Le premier qui m'envoie une photo, je le banne. On ira manger après, nous. Alors, tac, j'ai mon Apothecary White. Et Polygone, Bakina qui nous dit. Et je vais l'appliquer du coup sur ces zones. Alors, je ne sais pas si vous voyez... Salut Elgarod. Est-ce que vous voyez tout de suite la différence de teinte ou pas? Il y a Adrien Nice84 qui me fait « Moi, je mange un bon plat fait maison. » Ça, c'est cool. Table Totness, c'est parce qu'on est dimanche au White. Alors, il y en a un qui ne s'est pas réveillé dimanche. Je t'assure, on est lundi. Je sais pas qui est derrière Tableton Nuss, si c'est Alex ou Trig. Jean-Louis Payan, pizza chèvre. Pas mal. C'est pas mal la pizza chèvre aussi. On a des courgettes à la crème, jambon macédoine, ça te fait rêver.
Ouais, ça dépend, ça peut être bon. Mais là, je crois que n'importe quelle nourriture, en fait, me fait rêver. C'est Alex derrière qui est Tableton Nut sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je sais pas si Alex, tu peux mettre le lien directement. Si vous parlez de nourriture à Bastien en période de repas, oui, vous allez le faire rêver. Déjà, vous allez me perdre. Tac. Ouais, c'est ça, Baki Nata qui fait très sympa d'ailleurs leur chaîne. C'est ce que j'allais dire. N'hésitez surtout pas à aller voir. Ils font des rapports de bataille du coup en 40K. Ils sont vraiment chouettes. Geoffrey qui nous fait des aiguillettes de canard. Ah, ça c'est pas mal. Tac. Adrianis 84 qui fait j'aime bien cette couleur de cape. Elle va s'assombrir un petit peu encore. Ouais. Alors, du coup, est-ce que vous arrivez à voir un petit peu le contraste qui se crée entre la teinte chaude et la teinte froide des deux blancs qu'on utilise sur la figurine ? Carrément. Enfin là, du moins, au retour vidéo que j'ai, donc je pense que vous allez avoir le même sur YouTube ou Twitch. Après, ça va dépendre un peu de vos écrans. Mais on voit directement le côté un peu plus gris et bleu. On va laisser tranquillement sécher ça. Et pour augmenter le contraste encore un petit peu de cette figurine, je vais m'attaquer un petit peu au socle pour que vous puissiez mieux la voir ressortir. Alors, tac, 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 le socle, je vais tout simplement le peindre en Stormfur Vermine pour avoir une teinte de gris un peu chaud sur le socle qui contrastera très bien avec la cape et qui viendra enrichir un petit peu le chaud de l'armure. On va essayer de pas trop peindre sur l'herbe pour pouvoir facilement la faire en jaune après. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont fait sur les socles des luminettes avec ces pierres très beige chaudes mais qui sombrent au bleu et les petits épis de blé bien jaunes qu'ils ont fait là. Je suis assez fan du soclage qu'ils ont fait pour les luminettes. Et j'ai très hâte de mettre la main sur le Stone Mage qui sort samedi. Alors on a deux nouvelles photos de Vivien Mandon qui vient de nous envoyer ça du coup par Facebook. Hop, je vous partage ça. Donc deux jolies petites ânes. Ils ont l'air mignons comme ça, on dirait pas. Sur une super mallette. Alors je sais pas si c'était une mallette du coup Fatal Four 3 ou si c'est une mallette Wargame Spirits. Ça ressemble bien à une mallette, ouais. Ouais. Quel joli projet. J'ai vraiment hâte d'avoir aussi la nouvelle figurine de Ktan là, qui est magnifique. Alors, Elgarod qui fait, c'est cool cette idée de tuto live, vous en faites régulièrement. Toutes les semaines. Ouais. Alors. Donc on a maintenant peut-être entre 10 et 20 tutos, je pense, facilement. Même plus. Ouais. Même donc ils sont tous plus disponibles du coup sur YouTube en replay. Tac, 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 tac. Je refais un peu de rangement avant d'être complètement perdu dans les peintures. Alors. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, là, le piège, c'est que je me retrouve confronté à un dilemme. Soit je fais la cape en noir tout de suite et je risque par capillarité entre les zones qui sont pas sèches de faire remonter du noir partout sur mon blanc, ce qui serait assez catastrophique. Soit j'essaye de commencer à peindre des métaux à droite à gauche en sachant pareil qu'ils vont à chaque fois être en contact avec des zones qui sont pas encore sèches. Donc je sais pas si de votre côté de l'écran vous voyez venir le merdier, mais on s'attaque à la partie un peu compliquée. Après, au niveau du traitement du blanc, du coup, il y aura quelque chose d'autre. On va avoir encore un petit peu quelques brossages, quelques touches,
qui vont permettre du coup de le faire ressortir. Mais c'est surtout montrer que là, le blanc, vous voyez qu'il est très facilement mis en place. Et finalement, c'est tout ce qu'il y a autour qui va le faire ressortir. Alors, Gautrey qui nous disait un conseil ou une technique pour savoir éclaircir ou éclaircir la figurine, pour avoir un rendu réaliste. Ah, alors là, on est sur une grande question de l'humanité. Ça y est, vous l'avez lancé, vous avez mis une pièce. Je vais aller manger du coup. Ah. C'est pas si simple que ça de répondre à cette question. Oui. Ou éclaircir sa figurine. Il y a la technique de la lumière. En fait, c'est ultra technique, donc c'est pas quelque chose. C'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement comme ça en deux minutes. Mais allez, on va essayer de synthétiser un petit peu. Tu vas avoir deux choix pour éclaircir ta figurine, soit ce qu'on appelle un rendu. Non, surtout pas. On n'attaque pas le sèche-cheveux avec des contrastes. C'est ça, t'allumes 47 qui fait une grosse erreur. Lance attaque sèche-cheveux. C'est ce que j'aurais fait. Le sèche-cheveux avec les contrastes, en fait, va faire sécher le contraste en surface et pas dans les creux. Or, comme c'est très épais et que ça remplit les creux, tu vas avoir du coup une fine pellicule sèche en surface et ton contraste qui est liquide dans le creux. Et ça peut te faire de très mauvaises surprises, d'espèces de bulles dégueulasses qui finissent par craquer. Ne fais pas ça. Pour revenir du coup sur la lumière, allez, deux théories. L'une du coup, la lumière réaliste, où tu vas choisir un angle de lumière qui va arriver sur ta figurine. Admettons par exemple que tu choisisses arbitrairement que la lumière arrive par là. Du coup, bah, tout ce qui est sous cet angle, donc c'est assez simple, tu prends ta figurine, tu mets tes yeux dans l'angle de la lumière, comme ça, tac. Et tout ce que tu vois sous cet angle doit être clair. Tu prends ta figurine dans le sens opposé, tout ce qui est sous cet angle doit être foncé. Jusque là, c'est pas trop compliqué, c'est juste réussir à l'appliquer mécaniquement sur chaque zone. L'autre façon de faire les choses, c'est quelque chose de moins réaliste, mais qui consiste à éclairer globalement ta figurine, ce qui permet du coup, quand tu la tournes, d'avoir un éclairage un peu sous tous les angles et de voir ressortir un peu tous les volumes. Celle-ci, elle est plus esthétique et un peu plus cartoon, mais ça permet de faire plutôt des tabletops sympas où quel que soit l'angle sous lequel tu regardes ta figurine, il y a quand même quelque chose de chouette à regarder. Hop. Alors, je vais peindre cette petite écharpe rapidement, histoire de lui mettre une petite couleur. Je vais partir sur un violet. Alors, on a Mac Droopy aussi qui nous a follow. Un grand merci à toi. Rumphy qui nous dit tu peux utiliser le contraste médium avec n'importe quelle peinture ou juste la gamme contraste. Avec n'importe quelle peinture. Pour tous ceux qui mélangent leur peinture avec du médium, c'est un très très bon médium. Le médium dans un mélange permet de refaire la tension pigmentaire, du coup d'éviter que ta dilution fasse des taches et sèche de manière assez homogène sans avoir de taches de peinture ou d'aspect un peu crayeux au final. L'intérêt du médium contraste, c'est qu'il est très liquide, très fluide, donc vous ne perdez pas en fluidité. Et il a une très bonne tension pigmentaire, donc on reste sur quelque chose qui tient bien les pigments. Et c'est plutôt chouette. Alors ça marche d'autant mieux quand on mélange avec des contrastes, puisque du coup vous gardez les mêmes propriétés de produit que les contrastes. Plutôt que d'utiliser de l'eau ou d'autres médiums dans un contraste, c'est plus adapté. Par contre, quelle que soit la peinture que vous utilisez, vous pouvez utiliser une petite touche de médium contraste dedans pour la fluidifier légèrement. Tac. Allez, ça met un peu de temps à sécher. Tant pis, j'attaque les métaux. Les métaux vont aussi nous permettre de faire ressortir le blanc. Et c'est une petite parenthèse dans le tuto du blanc, puisque finalement je vais faire des métalliques blancs. L'idée en fait d'une peinture métallique, c'est qu'elle se peint un peu comme une peinture classique, sauf qu'on va avoir des pigments brillants. J'ai tendance souvent, quand on me demande des conseils, à suggérer d'utiliser le Stormos Silver comme un blanc pour éclaircir ces métaux. Et par exemple, quand on va faire du doré, mettre des petites pointes de Stormos Silver sur les arêtes, ça permet de faire ressortir les éclats de lumière.
Ici, du coup, je vais m'amuser à utiliser le Storm Silver comme si c'était un blanc, mais ce coup-ci, un blanc métallisé, qui va du coup rajouter encore un type de blanc à notre figurine. Hop, et je vais peindre certaines zones en métallique. Donc, l'armature du casque. Alors, il y a une fille qui fait l'idée de faire du contraste avec n'importe quelle teinte. Exactement. Alors, attention, pas enfin, ça va pas marcher. La technicité du contraste, mais tu vas réussir à. L'idée, c'est que tu vas pouvoir diluer très fortement tes teintes et garder une bonne tension, mais ça restera des peintures diluées. Tu n'en feras pas des contrastes. Parce que un contraste, en fait, à l'intérieur, tu vas avoir une très forte pigmentation. Pour une peinture très transparente et très liquide, ça s'apparente plus à des encres qu'à des peintures acryliques diluées. Donc tu peux réussir à bricoler des choses intéressantes en diluant tes peintures, mais tu ne peux pas transformer n'importe quelle teinte en contraste. Petite nuance. Donc là encore, on voit à la caméra que finalement mon métallique, il est très très proche du blanc. La nuance est quand même assez subtile. Alors, on a un autre message de Jean-Louis qui nous fait « Julien, tu conseilles de laisser tomber le lamanium médium ou pas ?» Je ne conseille pas de le laisser tomber, je conseille d'aller vers la peinture qui vous plaît le plus en fonction de vos affinités. Pour ma part, effectivement, j'utilise presque plus de lamia médium et je suis passé sur le contraste. Maintenant, si vous utilisez plutôt des washes que des contrastes, si vous utilisez la gamme Shade de Games Workshop, la gamme Shade est basée sur le lamia de médium et vous allez du coup avoir les mêmes propriétés que le lamia. Du coup, à voir un petit peu ce que vous préférez. C'est moi ou tu utilises du coup la pâte à fixe de la poignée Red Grass sur la poignée Games Workshop. Oui, tout à fait, parce que le socle était plus gros que ce que j'avais prévu, et du coup, j'avais pas le socle Games Workshop monstre sous la main, donc j'étais obligé de patafixer la figurine sur mon socle Games. Je trouve que la patafix Red Grass tient plutôt pas mal, même si à force de chauffer là, elle commence à plus trop tenir. Hop, alors on a bientôt fini les métaux. Alors c'est une figurine qui fourmille de détails, donc faut pas hésiter à faire le tour plusieurs fois pour l'enrichir un petit peu et ramener quelques détails de texture et de couleur. Alors les couleurs, hein, blanc sur fond blanc, ça reste délicat comme nuance. Mais du coup, ça fait travailler des textures différentes avec des zones brillantes, des zones métalliques, des zones froides, des zones chaudes. C'est plutôt intéressant comme travail. C'est ça. Et puis suivant ton affinité, en fait, surtout. Si tu as plus d'affinité avec l'un que l'autre, en fonction de... Vous avez pas dû m'entendre, désolé. Alors, est-ce qu'on a reçu d'autres photos? N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à nous envoyer les photos directement sur notre Facebook et on regardera ça ensemble. On est toujours 60, on va rester vraiment. Et on a Rancune qui vient de nous rejoindre. Merci. Un grand merci à toi sur Twitch.
J'espère que il nous tiendra pas rancune. On dit des bêtises. J'en étais sûr. Je t'ai laissé le. La sortie est là. Je vais m'en aller. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont lancés aussi dans le projet de faire une petite force du coup pour la croisade en 25 ou 30 points de puissance? Petite croisade qu'on organise à la boutique et que vous pouvez faire aussi à distance hein, avec vos copains. Ouais, on a les scénarios du coup qui vont bientôt apparaître. Du coup, il va y avoir 2 scénarios par semaine. Et en fonction de votre camp, mais du coup, ça fera évoluer l'histoire. Pour tous ceux qui ont kiffé le format croisade dans le bouquin de règles, on va lancer du coup cette semaine une petite croisade en 30 points de puissance. Et toutes les semaines, en fait, on va mettre des petits scénarios en ligne pour permettre aux différentes factions de s'affronter. Tout ce format de jeu qui nous a bien plu. Alors on a Yannick Paris qui nous fait « Salut, je suis nouveau, cool le tuto, j'ai aussi des luminettes et ça tombe bien, j'avais pas d'idée pour cette figurine. » Ben voilà. Ben voilà, tuto blanc. Donc là, hop, maintenant on se retrouve avec 3 types de blancs. On va essayer de faire un beau zoom dessus. Allez, mise au point. Voilà. Donc, on commence à avoir un blanc chaud sur les plaques d'armure, un blanc froid sur les plumes, et un blanc métallisé sur certains ornements pour du coup scinder les différentes parties. Et là on voit que la figurine commence vraiment à sortir par rapport à au départ où elle était juste sous-couchée en blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà sur une table, pas dégueulasse. Et en termes de difficulté de peinture, vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est juste barbouiller des contrastes. Le plus délicat, finalement, c'est de réussir à peindre ce qu'il y a autour sans trop dépasser. Mais vous avez vu qu'avec le contraste, avec le Wraithbone, hop, qui est très couvrant, ça, vous pouvez très facilement reprendre les éventuels débordements que vous avez faits. Alors, on a Rodolphe qui nous fait « Une peinture or n'aurait pas donné plus de contraste pour faire ressortir le blanc. » Si, mais elle aurait volé toute la vedette au blanc. Et elle aurait complètement écrasé en fait les différentes nuances. On aurait vu plus que le doré et le noir, et le blanc aurait disparu. Alors, il y a Gautret qui fait « Tiens, j'ai testé ton mélange avec le contraste black, Templar, Julien. Un tiers contraste, un tiers médium, un tiers haut. Normal que la teinte vire au bleu, au noir, bleu, gris. » Oui, mais un peu moins d'eau. Mais un peu moins d'eau quand même. C'est plutôt... Va plutôt sur moitié-moitié contraste et médium et tu rajoutes une pointe d'eau. Mais de rien, Rodolphe. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, du coup, je ne pourrais pas forcément y répondre, mais du coup, il y aura Julien qui pourrait répondre. Alors là, vous voyez une magnifique poignée en gros plan. Hop. On se moque pas. J'étais concentré à peindre les poignées de l'arme. Je suis en train de découvrir qu'il y a des petits bouts de tissu qui traînent à droite à gauche que j'avais zappé. Parce qu'il est censé être transparent, mais il a des chaussettes. C'est fou, ça. Comme quoi, on peut être un elfe éthéré et porter des chaussettes. Ce qui va nous amener directement au grand débat. Est-ce que les elfes portent des chaussettes avec les claquettes? Est-ce que les elfes sont des touristes allemands? Ou des joueurs de foot, parce qu'apparemment c'est aussi redevenu à la mode dans certains cercles de joueurs de foot de porter des chaussettes avec des claquettes. Mon dieu, tant qu'il n'y a pas de la fourrure sur les claquettes. Moi je pensais que c'était interdit. Je pensais que dès qu'on faisait ça, Christina Cordula débarquait en drop pod chez vous. Ah, on pourrait faire un drop pod. Non. Non.
Non, non, on peut pas faire de drop pod. Je déteste cette figurine. À part ou à monter ? Les deux, mon capitaine, les deux. J'en ai fait un une fois. Et je crois que je veux pas en refaire jamais. Alors, on a Rodolphe qui fait si on a froid au pied, on a froid partout. Ouais, oui, ça marche. Ok, non, on va valider cet argument. Même si il est pas censé avoir froid, vu qu'il est censé être éthéré. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous repartage le lien Twitch, parce que du coup, on est toujours une soixantaine, mais on est toujours que entre 20 et 30 sur Twitch. Venez sur Twitch, ça va plus vite, on se parle plus vite. En plus, il y aura plein de cadeaux pour les follow et les subs. On dit pas plus, on en dira plus la prochaine fois. Parce qu'on n'a pas encore décidé quoi. Et même moi, je commence à m'y mettre, alors c'est que ça doit pas être si compliqué que ça, Twitch. Oui. Alors, on avait... Hop. Alors, on a deux questions. Ce oui était un peu trop appuyé. Sure. Ce oui, toi aussi, t'arrives à t'y mettre, c'est que ça doit pas être compliqué. Oui, oui, oui. Ton oui était un petit peu trop appuyé, je trouve. Oui, 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 oui. Et un tuto drop pod pain barbatien. Ah ben, ça va aller vite. Hein. Ça va aller super vite. Sous couche. C'est-à-dire que nous, on n'est pas encore au niveau de Bastien pour la peinture. Bastien, il a révolutionné le jeu. Dans le futur. On a Consanguini qui vient de nous follow. Un grand merci à toi. Ça y est, ils viennent progressivement sur Twitch. C'est cool. On arrive à les attirer. On a Gautrey qui fait, tiens, petite question pour la boutique. Allez-vous vendre la gamme du jeu de figues Dust ? On aimerait bien. On y vient. On y réfléchit très fortement. Oui, on a Consanguini qui vient de nous sub. Un grand, grand, grand merci à toi. Ça fait super plaisir. Ça devrait... c'est dans les tuyaux, en tout cas. C'est une gamme... Alors, il faut être réaliste aussi. Hein, y a pas, on n'en vend pas tous les jours. Donc, c'est une gamme qui n'est pas simple complètement à rentrer. Mais c'est une gamme qu'on aime bien. C'est un concept qu'on aime bien. C'est une qualité qui est très chouette. Du coup, ça fait partie un petit peu des choses qu'on a en tête. Oui. C'est quelque chose qui nous plaît aussi énormément personnellement, forcément. Ça aide un peu. Alors, est-ce que vous commencez à le voir ressortir du coup à la caméra ? Ça commence à être de mieux en mieux. Alors, on va maintenant faire ressortir un petit peu cette armure blanche. Maintenant que ça a commencé à bien sécher, c'est presque sec de partout. Ouais, c'est sec de partout. On va lui faire un petit brossage blanc afin du coup de finir... de faire ressortir tous ces volumes. Donc pour ça, je vais partir sur un Ceramic White que je vais brosser tout simplement sur la figurine, parce qu'on reste sur un tuto très simple. Si vous aviez envie d'y passer plus de temps, vous pourriez tout à fait vous amuser à faire toutes les arabesques une par une en blanc pour les faire ressortir, ce qui serait du plus bel effet. Mais là, histoire de pas trop traîner, on va juste faire un petit brossage. Pour ça, je vais utiliser du coup les pinceaux de chez Artis Opus, donc les fameux nouveaux pinceaux brosses, tout rond, tout beau, tout nickel, et vous montrer du coup comment ça fonctionne. Donc la première chose avec les pinceaux Artis Opus, c'est qu'il faut humidifier un petit peu le poil. Évitez de tremper directement votre pinceau dans l'eau, vous prenez simplement un petit peu de pinceau... Salut Baldar. Pardon ? Non, je disais salut Baldar. Salut Baldar. Prenez simplement un petit peu d'eau sur un chiffon humide ou sur le petit damping pad proposé par Artis Opus. Et sur cette zone, venez brosser légèrement votre brosse afin d'humecter, d'humidifier légèrement les poils de votre brosse, mais pas les détremper. Voilà, une fois qu'ils sont humides, vous allez pouvoir prendre votre peinture et ce coup-ci faire votre brossage à sec, normalement, en venant du coup sécher votre pinceau. Hop. Jusqu'à... Donc là, par exemple, sur mon doigt, on voit que ça laisse encore trop de blanc, donc on va le sécher encore un petit peu. Et une fois que c'est sec, on vient brosser délicatement la figurine. Toujours du haut vers le bas, afin de marquer la lumière qui vient d'en haut et qui se dirige vers le bas. Si vous remontez dans l'autre sens, vous allez du coup éclaircir votre figurine dans les ombres, ce qui ne va pas nous aider.
trop séché mon blanc, du coup il ne marque plus du tout. Et je viens de prendre du Vricebone, du coup c'était pas du blanc. Alors on a une question de Romfig, rien à voir avec le blanc, où en es-tu de bolt action? Des tigers en vue? Alors j'ai fini un premier tigre, le second arrive proche de la fin, mais Rubicon m'a fait une blague, ils ont sorti des nouvelles chenilles toutes détaillées, toutes belles, toutes propres. Et du coup, je commence à me demander si je ne devrais pas refaire les chenilles du coup, de mon second tigre. Du coup, je suis en plein désarroi. Est-ce que je le continue avec les chenilles pas toutes détaillées, mais qui sont déjà très bien, ou est-ce que je commande un set de chenilles? Mais sinon, ouais, les tigers avancent tranquillement. J'ai aussi été interrompu, pour ceux qui me suivent, par un char de la garde impériale. Vous devez apercevoir dans un coin de l'image. Je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Consanguini qui dit: Julien, tu verrais ce système de chaud-froid est sur les Stormtroopers de l'Empire. Star Wars Légion. Tout à fait, ça peut fonctionner. Dès que tu as des drapés, ça marche très bien. Par contre, c'est vrai que le schéma de couleurs que tu as dans les films va plutôt justement jongler sur le gris neutre, avec un contraste plus de luminosité, où tu vas avoir l'armure qui est blanche et tous les autres détails qui sont noirs, du coup, afin de créer un contraste très fort entre les deux. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vas trouver par contre le contraste chaud-froid plus sur les clones, avec notamment un schéma de couleurs qu'on connaît, où tu te retrouves avec l'armure qui est beige, blanche-beige, et tous les marquages qui sont bleus. Là par exemple, tu es sur un contraste chaud-froid. J'insiste un peu sur la tête, voilà, pour bien marquer un point focal dessus. Hop, on va brosser aussi légèrement les plumes. J'insiste un peu plus sur l'extérieur et moins sur le centre, comme si l'ombre venait vers l'intérieur du casque. Pourquoi je le fais avec la Ceramic White? Tout simplement parce qu'elle est très couvrante et très pigmentée, donc elle va tout de suite me marquer du blanc. Hop. Après, elle a tendance, comme elle est très pigmentée, à faire un rendu très sec très rapidement, donc il faut faire attention à votre brossage pour éviter qu'il... Il n'y a pas le DART TV qui vient se donner un grand merci. Oups là, désolé, j'ai mon micro coupé. Un grand, grand merci du coup à Baldar TV qui vient de s'abonner avec Prime. Ça fait super plaisir. Et du coup, hop, je voulais pas te couper, mais il nous disait: je suis nouveau dans l'univers de la peinture et je suis toujours aussi bluffé de voir des gens peindre aussi bien. En peint, il peint super mal. C'est vraiment la caméra qui fait tout. C'est ça, tout est dans la cam. En tout cas, un grand merci à toi. Désolé, je t'ai coupé, mais je venais voir le message passer, on l'a pas vu de suite. On profite pour brosser un petit peu ma cape pour alors les autres petites questions. Contraste. Rodolphe qui nous fait: le son est moins bon sur Twitch. C'est bizarre, je regarderai. Mais normalement les codecs sont les mêmes, et peut-être Restream qui encode d'une façon différente. Je regarderai. Merci en tout cas. Et merci du coup pour ton follow aussi, Rodolphe. Ça fait plaisir. On est 27 maintenant sur Twitch et au total on est toujours une soixantaine. Tech. On y arrive progressivement. Hein. Donc, tout vous faire passer sur Twitch. Petit à petit, on voit que le blanc ressort et que ça commence vraiment à être sympa. Carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime vraiment beaucoup. On a Baldar qui fait: quelle est la technique pour faire un bon brossage? Justement, Julien vient alors, de justement, le faire. On ouais. vient de le dire. Donc déjà, hop. On va utiliser les pinceaux Artis Opus, qui sont beaucoup plus fins. Je viens de tuer le Tarien. Qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus doux, donc ils vont faire des choses des dégradés plus fins en plus brossage. Doux. Maintenant, ça marchera aussi avec vos brosses Citadel. Hein. La technique de les humidifier fait toute la différence. L'idée, c'est d'humidifier ton chiffon et de mouiller les poils de ton pinceau sur l'humidité de ton chiffon avant de faire ton brossage à sec. Juste cette humidité dans les poils va éviter d'avoir un rendu trop sec sur ton brossage et d'avoir trop de traces, trop de stries. Par contre, attention, il ne faut pas qu'il soit détrempé, sinon ça fonctionnera beaucoup moins bien.
Exactement. Alors, on enchaîne, on reprend un peu quelques contrastes. Je vais revenir avec mon Skeleton Horde. Hop. Que je vais, ce coup-ci, moins diluer. Donc je remets un petit peu de contraste médium dedans, si je retrouve mon peu de contraste médium, voilà. Mais je vais en mettre moins. Hop, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui marque un peu plus. Et ce coup-ci, je vais un peu plus maîtriser les zones où je vais mettre mon contraste. Pour centre-toi un tout petit peu. Ouais, nickel. Je vais pousser aussi un peu mon chiffon. Tac. Et je vais venir, du coup, accentuer certaines zones d'ombre que je veux sur mon blanc. Donc par exemple, sous les pecs. Sur le coin des joues. Je vais faire aussi un petit peu le tour du casque pour faire ressortir le visage par rapport au tour. Je vais passer un petit coup de contraste sur le bas de sa déco, dans les creux des épaules. Là, je viens juste du coup accentuer les zones que je veux marquer. Donc sous le bras, par exemple. Hop. Derrière les jambes, sous les genoux, là où la lumière ne vient pas se poser. Et là, je passe pas mon contraste sur toute la zone, mais vraiment de manière un peu sélective pour l'accentuer par endroit. L'intérieur du mollet, hop, un petit peu sur les pieds, l'arrière des mollets, parce que là, on sera dans l'ombre totale. Hop, pareil pour l'autre mollet, sous le pied. Hop. Alors, on avait une question de Gotrek, en attendant, pendant que tu finis du coup tous les passages. Ouais. Vous avez été réappro en pinceau Artist Opus et Raphaël. Alors, déjà, pour commencer, Artist Opus, pareil, ont un souci de réapprovisionnement. Ils ont bloqué nos commandes pour l'instant, donc on sera les premiers réapprovisionnés dès qu'ils vont recevoir du coup leur nouvelle série de pinceaux, mais ça va arriver du coup normalement assez vite, j'espère, au moins avant la fin du mois. Donc pour tous ceux qui ont commencé à commander des Artist Opus, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Pour tous ceux qui en veulent, vous pouvez en commander aussi, normalement on aura assez de pinceaux pour honorer toutes les commandes rapidement. Et Raphaël, malheureusement, mais là ça va être le plus gros souci entre guillemets, c'est qu'ils n'ont toujours pas de date de réassort, sauf si vous voulez une taille 14 en pinceau, mais du coup ça fait un peu gros quoi. Ou du 4 dixième, mais du coup ça fait vraiment vraiment petit. Donc du coup voilà, on est toujours en attente, on les a toutes les semaines au téléphone, et dès qu'ils ont un réassort de pinceau, ils nous les envoient. Voilà, pour l'instant c'est un peu complexe. On a Valero aussi qui a fermé pendant les vacances. Pareil, on devrait recevoir des pinceaux de leur part qui sont pas trop mauvais, franchement, qui se situent qui sont pas mal dans la fourchette haute, on va dire. Ouais, on n'est pas sur la même qualité qu'un Artist Opus ou un Raphaël, mais on est très bien positionné. Ouais. Pour un prix qui est facilement le... Pour le même prix qu'un Citadel, on est quand même bien servi. Alors ensuite, je remonte, désolé, toutes les questions qu'il y a eu. Peindre la figurine base est mieux qu'une figurine montée ou démontée? Car pour aller dans les recoins et les monter, c'est plus complexe par moment. Exactement. Alors après, il y en a qui vont les peindre totalement démontées, d'autres qui vont les peindre totalement montées, comme moi, j'ai la flemme. D'autres qui vont, lors du montage, séparer différentes façons. Donc, par exemple, sur un Space Marine, ils vont enlever les bras et l'arme et ensuite les coller au dernier moment, ce qui va permettre en fait de faire des sous-ensembles. Voilà, faire des sous-ensembles. Donc, ça va vraiment dépendre des figurines. En fait, c'est un choix personnel. C'est ça. Le but, c'est de se faciliter la tâche. Donc, plus c'est facile, mieux c'est. Donc, à toi d'estimer à quel moment. Moi, le conseil que je donne, la règle que j'utilise pour moi, c'est d'essayer de monter le plus possible la figurine. Plus elle est montée, mieux c'est. Par contre, je fais la concession, s'il y a certaines parties qui sont particulièrement compliquées à peindre, une fois la figurine montée, ben je vais les garder séparées et l'assembler après. Mais voilà, vraiment la concession de se dire je monte le plus possible et ensuite je garde séparées que les pièces vraiment difficiles. Alors,
Je sais pas si vous êtes, si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de donner un aspect doré à certaines parties métalliques. Il faut juste que tu regardes, parce que là, du coup, c'était magnifique. Moi. Voilà, mais de manière très très subtile, en passant simplement un contraste Skeleton Horde sur mon Stormus Silver, ce qui me permet de lui donner une légère teinte chaude et lui donner cette espèce de couleur d'argent blanc, enfin d'argent blanc, pardon, d'or blanc. Hop. On reste du coup dans un ton de blanc, mais qui prend un peu la chaleur. Je vais juste le marquer un peu plus que le reste de l'armure pour que ça ressorte. La brillance aussi, l'aspect métallique, fait aussi un rendu de surface légèrement différent, qui du coup contraste avec le reste de la figurine, avec le reste de l'armure. Alors, il y a Telum47 qui répondait à Baldar, du coup je vais quand même relire le com, parce que du coup c'est assez pertinent. Je suis nouveau aussi dans le hobby, certes certains peintres sont talentueux, mais honnêtement, en suivant des tutos, on arrive à un niveau tabletop très très propre. Et ben, c'est exactement le tuto qu'il y a là, tout le monde peut y arriver. Là, vous voyez, il peint avec un pinceau qui est plutôt épais. Standard. Ouais. Je crois que tu n'as pas changé de pinceau depuis le début, à part pour le. Moi, j'ai utilisé un gros au départ pour. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais voilà, vous pouvez. Enfin, c'est extrêmement accessible. Il suffit juste de refaire et de bien suivre les dilutions. Vous allez obtenir vraiment le même résultat. Qui est vraiment. Puisque là, c'est que du contraste, hein, donc c'est appliquer la couleur dans le creux qu'il faut. Et je vais faire du coup pareil avec mon apothécary white, que ce coup-ci, je vais passer sur les zones que j'ai gardées en blanc plutôt froid. Alors ensuite, on a une question d'Yannick. Pour avoir un blanc chaud, est-ce que le sépia de chez Game c'est bien ou le wash ink de chez Green Stuff est toujours aussi bien, car j'ai du mal avec la contraste. Moi, j'utilise le Skeleton Horde en contraste pour avoir un blanc chaud. Le sépia sera pas mal, faut juste bien gérer ta dilution dessus. Exact. Et l'ink de Green Stuff World, je l'ai pas testé, donc je pourrais pas me prononcer dessus. Alors je sais pas si c'est Link ou la Wash Wink, je sais plus laquelle c'est. En tout cas oui, elles sont ultra. C'est un produit qui avait sorti un peu avant Citadel et leur contraste. Ça y ressemble un peu fortement. Faut juste bien faire attention à ta dilution, parce que c'est ça qui finalement va faire la différence. Tabletop.net qui nous a laissé un message. La légende voudrait que Raphaël fait ses pinceaux avec les cheveux de Julien, d'où la pénurie. Et en plus, enfin, enfoiré. Après, je ne veux pas balancer des choses perso, mais il me semble qu'en vacances, tu allais quand même aller très très proche de leur usine. Ah bah je passe à côté de leur usine. Voilà, donc est-ce qu'il y a. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Pour ça, je les ai appelés pendant qu'ils étaient en vacances. Et... Je vais une fois par an juste à côté de l'usine. J'ai pas encore été la visiter. Je voulais y aller cette année, mais compte tenu des circonstances, je me suis dit que j'allais pas les embêter. Mais un jour, je compte bien aller frapper à la porte et dire « Bonjour, est-ce qu'on peut visiter ?» Voilà. On va faire un petit effet qui coulole sur les épées avec un bon coup d'Aethermatic Blue. Hop, elle est où ma caméra? Elle est là. Donc le bleu magique qui tue pour faire de la magie qui tue. Donc là encore, on va jouer avec la dilution pour éviter que ça soit trop franc d'un seul coup d'un seul. Donc je prends un peu d'Aethermatic Blue, je prends un peu de contraste médium, je mélange 50-50. Vous pouvez vraiment faire le même travail avec des encres, hein, si vous avez d'autres marques qui vous proposent des encres. La différence entre un contraste et une encre, c'est qu'une vraie encre, quand c'est pas une appellation marketing, mais que c'est une vraie encre, une encre, c'est pigmenté, c'est brillant et ça se redilue à l'eau. Donc c'est des choses qui peuvent être un peu embêtantes quand on travaille de la figurine, parce que souvent la brillance, on essaye de la casser, parce qu'on n'aime pas trop avoir des figurines qui ressemblent à des jouets brillants. Et le côté qui se redilue à l'eau, à chaque fois qu'on passe un lavis, un truc par-dessus, si on se retrouve avec notre encre qui se redilue, ça peut être un peu délicat. D'où l'intérêt de produits comme les contrastes, qui vont du coup avoir à peu près les mêmes propriétés de saturation et de fluidité, mais qui vont être de l'acrylique, donc ça veut dire qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, et qui ne brille pas. Donc c'est plutôt des qualités qu'on cherche. Maintenant, si vous avez des produits équivalents dans votre marque, c'est juste après une question d'affinité et de dilution.
Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. On va finir avec notre petit contraste noir sur la cape, depuis le temps qu'on l'attend celui-ci. Donc le Black Templar, hop, pareil, toujours dilué. 50-50. C'est ça, le Wargame Spirit à Grenoble. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. On n'a pas encore colonisé le monde, mais on va y travailler un jour ou l'autre. Hop. Je suis hors champ, hein, c'est ça. Et donc, je prends mon contraste noir et je badigeonne sur ma cape. Le fait d'avoir un peu d'eau, ça va éviter les taches. Il va aller se concentrer dans les petits trous comme il faut. Et faire le job d'ombrage tout seul. Par transparence, on va voir réapparaître le travail de bleu qu'on a fait avant. Et du coup, garder un noir bleuté. Et déjà dégradé. Le blanc c'est chiant. Bon non, regarde. Le micro bastien, merci. Merci Kimama. Moi je peins hors champ. C'est ça. Et Bastien, il parle sans de mettre le micro. Voilà. On est des professionnels. Jean-Luc qui fait nous sommes volontaires pour le Wargame Spirit Tokyo. Je suis désolé, je serai le premier à y aller en fait. Merci. N'hésitez pas à me dire si jamais j'oublie bêtement de remettre mon micro pour vous éviter tous les clics. Je pensais que c'était une franchise My Bad. Peut-être un jour. Alors, hop. En attendant que Julien finisse du coup les derniers. Dernier coup de peinture, est-ce que vous avez une chaîne sur Twitch que vous voulez raid? Parce que du coup Twitch nous permet à la fin du coup de la session d'aller du coup tous sur une autre chaîne et du coup de les aider. Par contre j'ai rien en français, donc si vous avez hop, une idée, n'hésitez pas à m'envoyer. On a Diodcorp qui nous a follow, un grand merci à toi. Alors, on a des Américains sinon. Il y a Jean-Luc qui nous fait pas grave, Pao nous propose une ouverture 24-24. En vrai, ça serait un sacré concept, le fait d'ouvrir vraiment un centre du wargame ouvert tout le temps, 7 jours sur 7, imagine. Oui. Tu peux venir peindre quand tu veux, où tu veux. Alors. Déjà que je dors pas beaucoup, alors. Justement. Alors, le plus dur, c'est de passer partout et d'oublier aucun endroit. T'es encore hors champ. Que je mette une petite tige sur la caméra pour que je puisse la bouger à distance. Vous êtes déjà presque à ce concept non lol. Ah oui, un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'on a rajouté deux nights. Donc en plus du mardi et du vendredi, vous pouvez venir jouer ou peindre ou tester des jeux de société jusqu'à 1h. Vous pouvez venir aussi du coup le jeudi jusqu'à 22h et le samedi jusqu'à minuit. Du coup, ça fait 4 nights par semaine. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse pour venir. Pour ne pas venir. Vous êtes obligé venir, oui, moi j'habite à l'autre bout de la France, pareil. Ce n'est pas une excuse. On a plein de gens qui viennent de très loin pour jouer avec vous. Non, pareil, si un jour, enfin, je sais que beaucoup le font, qui viennent du coup le jeudi et le. Je vais y arriver, le vendredi. Donc ils font la night du vendredi, le samedi et la night du samedi.
qui voulez venir de loin, entre guillemets, qui voulez enchaîner les parties ou enchaîner les peintures, n'hésitez pas à nous demander. On pourra vous trouver du coup des joueurs tout au long de ce week-end. JC Tyrion qui nous fait le jeu World of Warcraft est en test. Donc le nouveau jeu du coup de Small World, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Je confonds avec les autres versions de Small World qui sortent. Et normalement, oui, il est dispo. Je crois qu'on l'a pas encore ouvert, mais oui. De toute façon, on va le tester. Donc, il sera disponible. La réponse est un grand oui. D'ailleurs, de grandes chances qu'il finisse dans une vidéo, sans vouloir trop spoiler. Oui. Et là, on voit encore ta main. Je vais aller décaler la caméra, je crois. Et ben en fait, si tu la décales, je vais faire que me décaler, puisque c'est pour... Sauf si je mets un mur. Ah oui, en fait, il faut mettre un mur ici pour plus que je passe. Ou alors, j'accroche la chaise avec des vis au sol. Bon, vous allez le voir tomber, mais... Alors, est-ce qu'on a reçu des photos avant la fin de ce live? Non. Tac, est-ce que vous m'avez envoyé des chaînes raid ou pas? Non plus. Ah, on avait un message que j'ai pas vu passer de... Il y a Talum qui est en fait qui fait sinon GoPro sur le front. Ah, le problème c'est que vous allez gerber là. Autant il est assez stable mais à force de bouger. Alors il y a Valentin Régis sur Facebook, salut à toi. Comment réaliser des lames Necron vertes hyper stylées? On a déjà fait un petit tuto pour ça. C'est ça. N'hésite pas à aller sur YouTube. C'était pas le live avec Jus. Non. C'était un live, live peinture Necron. Et en plus, on a fait aussi un live pour les épées énergétiques qui sera un bon complément. C'est ça. Il y a deux petits tutos. Je t'invite à aller voir. Ça, tu pourras tout trouver. Alors, Consanguini, tu peux m'envoyer les photos directement sur le Facebook. Donc là, je passe juste un contraste noir sur toutes les zones bleues que j'ai traitées avant. Voilà. Et je vais finir par amener un peu plus de contraste par endroit avec ce contraste noir. Alors là, il faut être super délicat. N'hésitez pas à le diluer un peu plus, rajouter un peu de contraste médium, un peu plus d'eau dedans. Et ce coup-ci, on va venir séparer certaines zones de l'armure. Par exemple, je vais venir faire une petite zone juste sous l'épaule, afin de séparer vraiment visuellement la plaque d'armure de la plaque de l'écaille. Je viens faire juste le tour de ma petite pièce d'armure ici dont j'ai oublié le nom. Hop. Pareil ici, je viens faire un petit peu juste là sous la coquille pour faire ressortir la petite plaque juste sous les genoux. Là où il y a un petit peu des articulations d'armure en fait. Le niveau du poignet. Vraiment augmenter un petit peu le lining entre ces deux zones pour les séparer visuellement. Hop. Le poignet ici aussi. Un petit peu le tour du casque pour séparer visuellement le casque de la partie dorée et très délicatement aussi entre les plumes et le montant métallique. Voilà, voilà. Alors, on a Valentin qui fait, je connaissais pas... Ah oui, c'est ça, je connaissais pas votre chaîne YouTube. N'hésite pas à aller voir. Il y a pas mal de petits lives sympas.
pas mal de tutos aussi, notamment. Tac. Draconito qui vient nous envoyer une photo, je vais aller voir ça pendant que Julien vous montre la fin. La fille commence à ressembler à quelque chose. Donc tu as cherché la photo, je viens rebricoler un petit peu mon arme en repassant un petit peu d'aethermatic blue dilué là où j'ai envie que ça soit un peu plus bleu feng shui. Quitte à, si vous voulez que ça soit encore plus intense, ben le diluer moins là où vous avez envie que ça soit plus intense. Je vais utiliser sur le socle le contraste griffe chargeur grey pour avoir l'aspect bleuté un petit peu comme Games fait sur ses socles. Hop, je vais utiliser un plus gros pinceau. Toujours pareil, le diluer un peu au contraste médium. Moitié-moitié. Et du coup, sur ma base que j'ai faite en Stampfer Vermine, hop, sur lequel j'ai fait un petit brossage tout à l'heure, je viens juste passer du coup mon griffe chargeur grey en contraste. Pas mal comme ça. Hop, je vous partage une photo que Geoffrey nous a envoyée. Avec une fille, bah écoute. Hey, très sympa, dis donc. Vraiment sympa. Hop, il va nous rester une photo de Julian. Il nous a envoyé du coup le plaque marine en courte finition. Hop, je vous montre ça. Le griffe chargeur grec qui est très bleu peut aussi servir du coup à ambrer du blanc pour avoir des tons froids. Vous pouvez tout à fait l'utiliser un peu dilué pour venir appuyer certaines zones que vous voulez un peu plus bleuter. Hop, et voilà le Space Marine. Mais écoute, c'est déjà un super début. Bah ouais, carrément. J'aime bien ce vert, en plus ça change du. Alors je sais pas si. Je pense pas que ce soit de l'Esgard Green. Ça ressemble à du Dark Angel, non? Ouais. Ou alors c'est la photo qui est bien plus foncée. Alors il y a Mathieu qui disait belle figue. Ben, merci à toi. Yep. Comme quoi, là, vous voyez, même en... Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 2 heures. On est sur une figurine qui est peinte à 80% avec du contraste, puisqu'on va avoir simplement 3 couleurs pour les aplats. Allez, 4 si on compte le socle. On a du coup du Steyadon Greenscale et du Fenrisian Grey pour la cape. On a du Xerus Purple pour le... C'est bien ça, c'est le Xerus? Ouais, c'est ça. Xerus Purple pour le violet. Et du Stormus Silver pour les parties métalliques. Le reste, c'est du 100% contraste. Et on est sur une figurine qui ressort avec un rendu blanc au final. Une armure légèrement blanc cassé au beige. Et des plumes, certaines zones blanc plus froid. À droite à gauche, et pareil on va avoir une autre forme de blanc, c'est le métallique, avec un métallique blanc chaud sur certaines parties et ce blanc bleuté sur les armes. Tout ça en utilisant du coup des contrastes très dilués qui nous permettent simplement de venir teinter les creux et amener des ombres subtiles sur les blancs. On se rend compte aussi que ce qui fait ressortir le blanc, c'est surtout le contraste avec les autres zones qu'on a autour, donc avec la cape qui du coup va créer un fond noir sur lequel l'armure va pouvoir sortir, et peut-être quelques couleurs un peu plus saturées comme le violet qui permet du coup d'amener un petit peu de teinte et du coup de contraster avec le blanc. Bah top.
Voilà, voilà, voilà. On a Geoffrey qui nous fait « Je vous abandonne là, merci pour ce tuto, c'était super top ». Un ben, grand merci à toi et merci du coup pour ton sub, ça fait vraiment plaisir. Il y a Dracunito qui nous est non, Vert Obscur et Valero. Exact. Et Valentin Agi qui nous disait « Vous pensez quoi des nouvelles figues Necron ?» Moi, je les trouve folles. Je suis plutôt un joueur Space Marine qu'un joueur Necron et j'ai pas envie de me lancer dans une armée de Necron. Ouais. Mais j'avoue que je suis plus hypé par les sorties Necron que par les sorties Space Marine. Elles sont complètement folles. Autant lors du dernier live, j'étais totalement fou de toutes les sorties Necron qu'il y avait eu. Mais alors là, mais c'est fou. Enfin, toutes les figues qu'ils ont montrées, autant les dépeceurs que les nouveaux... Alors ils font vraiment penser au... Pas au Cryptek, au... Ah, j'ai perdu le nom. Alors les noms des Necrons, j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu le nom, c'est... Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, toutes les figues sont complètement folles. Mais j'adore le Chronomancer. Le Chronomancer, celui qui a le crâne, là, celui qui... Non, ça c'est pas le... Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais celui qui a le crâne un peu en pixel et tout, qui est totalement fou. Complètement fou. Kimama qui fait, je connaissais pas la figue, je viens de voir, me rendre compte qu'elle est fantomatique, exactement. Et oui, elle est complètement folle cette figue, hein. C'est pareil, si vous voulez partir sur une belle figue pour vous faire plaisir, c'est une pure tuerie. On est sur quelque chose de vraiment très chouette. Exactement. Psychomanceur, ouais. Il est complètement dingue le psychomanceur, C'est le 47 qui nous fait en même temps les derniers SM dévoilés, c'est juste le passage en multipart de l'Indomitus et des versions lourdes de troupes existantes. Exactement. Si après il y avait le... Ouais. Ouais, mais ce que je trouve vraiment chouette avec les Marines, par contre, c'est que ça y est, on a vraiment la gamme Marines en Primaris avec les armes lourdes, les différentes unités. On a les Marines d'assaut, etc. On peut vraiment recommencer à faire nos petits Primaris comme on faisait nos unités de Space Marine avant, avec plein de poses différentes, plein d'options différentes. Le fait de retrouver les armes de corps à corps, ce genre de choses. Je suis assez content parce que c'est quelque chose... Je préfère de loin la sculpture des Primaris par rapport aux anciens Marines. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à revenir sur les anciens Marines. Mais j'étais encore un peu tristoun de ne pas trouver... tous les repères visuels qu'on pouvait avoir en Space Marine. Et là, le fait que tout ça arrive avec les élites, les vétérans, etc., et qu'on retrouve tout ça sous primarisé avec cette anatomie qui est quand même beaucoup plus juste, je suis assez fan. Carrément. Ouais, en effet, du coup, c'était les spectres que je cherchais tout à l'heure. Et oui, du coup, ils sont quasiment comme les anciens spectres qu'il y avait en métal. C'est assez sympa. Les dépeceurs aussi, t'as dû être fou quand tu les avais passés. Tout était fou. Mais j'aime bien un peu le côté old school qu'ils ont redonné à la gamme à la gamme Necron. Le jaune ressort à la caméra de ouf, genre il est fluo. Non, alors qu'en fait, c'est simplement de l'Everland Sunset. Hein. Donc il n'est pas du tout jaune comme ça en vrai. Hein. Il est jaune un peu plus blé. Là, il est... À la caméra, en tout cas sur mon retour vidéo sur l'écran que j'ai, ça jure un peu. Mais en vrai, il a plutôt une teinte chaude blé qui contraste bien avec le bleuté du socle, sans être trop trash comme ça. De toute façon, on va l'atténuer un petit peu en passant un squelette en ordre dessus, et ça sera très très bien. Alors, on a ensuite Cédric Jousse qui fait « Salut, vous avez un réassort de t-shirt French War Games Studio ». Oui, on en a deux ou trois de chaque taille et de chaque version, donc n'hésitez pas. Et si jamais tu as passé commande avant et que tu n'as pas reçu ta commande, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP. Je regarde après le live. Talum47 qui fait bien sûr, c'est cool pour avoir un aspect homogène sur toute l'armée, mais du coup, c'est pas évident. Moins waouh que les nouveaux Necrons. Je suis quand même bien d'accord avec toi, mais ils ont quand même réussi à avoir une homogénéité quand même plus sympa entre les nouveaux et les anciens que par exemple entre les Primaris et les anciens Space Marine. Tu vas vraiment avoir une grosse différence. Là, si jamais la peinture est la même, tu prends des anciens guerriers et des nouveaux guerriers, honnêtement, il y a pas... Tu vas quand même voir la différence, mais ça va pas trop jurer non plus. Bah, c'est top. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit Eltarion? En 2 heures, c'est fou. Hein.
Mais pas mal du tout, hein. Ce qu'on peut faire avec les contrastes, c'est quand même assez dingue. Et la qualité est vraiment chouette. Il nous reste quelques contrastes à laisser sécher. Après, on pourrait s'amuser à faire le socle, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est plutôt chouette. Après, il y a le grand débat de est-ce qu'on fait les gemmes en gemmes ou pas. Donc c'est vrai que sur cette armée d'elfes, Games Workshop n'a pas forcément accentué les gemmes. Mais je pense qu'on le gardera sous la main pour faire un petit tuto gemme plus tard. Oui, puis il y a déjà assez de trucs magiques sur cette figurine, quoi. Ouais. Enfin, faut dire que la carcasse est vite, quoi, donc bon. Non, cette figurine est folle, je suis amoureux de cette figurine. La cape ressort vraiment, enfin en tout cas la caméra, le dégradé est totalement fou. En vrai, c'est pas mal non plus. Je vais aller voir ça plus près à la fin du live. En vrai, c'est pas mal du tout non plus. Si vous avez des chaînes Twitch, allez... à nous proposer pour faire un raid, n'hésitez pas, parce que là j'ai rien sous la main. Hop, à part des peintres anglais, mais du coup, c'est pas les plus connus. Je vais aller voir les lames Necron à la fin du live. Ouais. N'hésite pas après à nous envoyer des photos. Il y a Tabletop Nuts qui fait très beau. Tonton JPEG qui fait salut, dommage, j'arrive à la fin. En tout cas, le rendu est fou, good job. Et bien, n'hésite pas, du coup, il y aura toutes les rediffs, du coup, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Il y a Rodolphe qui fait tu, bravo. Bon, ben, pareil réussi. Ah voilà, il continue quand même. Oh bah de toute façon, moi je m'arrête jamais. Hein. C'est ça. S'il coupe pas la caméra. Mais voilà, en tout cas, en une heure, c'est. Alors je refais juste un petit brossage sur la cape pour faire ressortir un peu les volumes des pompons là à l'arrière. Vraiment très léger. Hop. Et puis quand ça sera sec, je ferai certainement un petit brossage blanc sur le socle aussi. Mais ça va mettre longtemps à sécher, donc ça sera hors cam. Bon, simplement un petit peu de Fenrisian Grey sur mes tissus pour les faire ressortir un petit peu, c'est tout. Rien de foufou. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Bah moi aussi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Ça fait vraiment plaisir de tous vous avoir là. Merci à tous pour ceux qui nous ont follow et qui nous ont sub. Ça va grandement nous aider pour la suite des lives. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre. La semaine prochaine, on refait un petit live. J'ai prévu de peindre un petit Space Marine. Lancer une petite série de tutos sur tous les Space Marines en mode tabletop. Donc si vous remontez un petit peu dans les anciens lives, vous allez retrouver un tuto pour les Ultramarines. Et la semaine prochaine, je vous prépare un autre chapitre. On spoil un peu ou on les laisse essayer de deviner quel chapitre c'est ? Ah, là, on peut demander, n'hésitez pas à marquer là en commentaire. Vous allez faire de Korn OS. On peut, hein, à l'occasion. Je pense que d'ailleurs, le prochain tuto pourrait te servir pour du Korn AOS. Dis ça. Un petit indice. Gros indice, quand même. Un gros indice. Du sang. Tuto sang. Non, c'est du loyaliste. Moi, j'aime bien Steltarion, dis donc. Ça me donne presque envie de faire une armée de luminettes. Ça change de peindre des tanks aussi. Oui. Pour tous ceux qui me mettent des gros scuds comme quoi je peins que du tank en ce moment, voilà, je sais encore faire des figurines. Du Nightlord Loyalist, c'était avant. Et de l'Imperial Fist, j'en ai déjà fait un tuto Imperial Fist, mais c'était avant qu'on fasse des vidéos, il n'est qu'en photo quelque part sur le fin fond de notre Facebook. Et de notre Instagram, mais on y reviendra certainement un jour ou l'autre. Hop, est-ce qu'on est tout bon? Du coup, on va se retrouver demain, donc du coup, pour un live orienté Magic cette fois. Demain, c'est Magic. Demain, c'est on ça. Découvre Zendikar, la nouvelle édition qui s'appelle. J'ai mangé le nom de l'édition. Zendikar? La renaissance de Zendikar. La renaissance de Zendikar. Exactement. C'était la renaissance de Zendikar. Donc demain, on attaque ça et on va débunker un peu toute cette extension, regarder un petit peu les cartes avec Axel.
Exactement. Axel et Tina. Et donc, Tina, du coup, notre petite nouvelle que vous allez découvrir demain en vidéo, qui est passionnée de Magic et nous expliquera tout ça. Donc ça va être un live orienté. C'est pas un live orienté, on va dire, pour les... C'est pas pour les fans hardcore, si vous voulez simplement découvrir aussi ce qu'est Magic, pour, voilà, pour la découverte, ça sera l'occasion aussi de papoter ensemble. Vous pouvez venir sur ce live avec grand plaisir, il y aura de quoi faire. Il y aura de quoi voir aussi. Et ensuite, on se retrouve aussi du coup jeudi. Jeudi, avec Dim Dim qui nous fait un tuto peinture avec ses petites méthodes préférées. C'est ça. Il nous parlera, si je ne m'abuse, de transparence et d'UV. C'est ça, de résine UV. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du... Pour ceux qui connaissent les travaux de Dim Dim, je pense que les UV, vous voyez où je veux en venir. Hop. Écoutez. Il faut vraiment qu'on chope le plateau tournant de Green Stuff World pour faire une vidéo tournante à la fin. Dans la prochaine commande. Mm. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à Hop. Est-ce que je vais réussir à retrouver tous ceux qui nous ont... Toi aussi, les UV, c'est ton dada. Faire attention à pas bronzer, par contre. Mettez quand même de la crème solaire, ce que Dim, il fait pas et c'est pas beau à voir tous les jours. Alors, on avait Ashtrav, du coup, qui nous a sub. On a Geoffrey qui nous a sub aussi. Un grand merci à vous. Est-ce qu'on a eu d'autres subs durant... Oui, on a eu Bald... excusez-moi, je vois mal. Pardon, je vois plus. Si, on a Baldar TV aussi qui nous a sub. On a Consanguini qui nous a sub aussi. Un grand, grand merci à vous tous. Et d'ici les prochains lives, vous aurez plus de nouvelles, du coup, pour ces abonnements. Un grand merci à vous. Si jamais vous revoyez ce live du coup en rediffusion, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch du coup pour vous abonner, pour avoir du coup les annonces dès qu'on lancera un nouveau live. En tout cas, voilà. On fait aussi les petits plannings du coup sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre la boutique sur toutes nos plateformes de communication si vous voulez en voir plus et en savoir plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en live. J'étais très content qu'il y ait plein de monde pour ce premier live et j'espère avoir égayé votre pause midi. D'ailleurs, c'est l'heure de retourner au boulot. Hein. On est déjà 20 minutes de retard. Exactement. Et du coup, bah, à bientôt. Bisous. Et merci à tous. Salut.